Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne rediff. On va vivre le match importantissime. En tout cas, n'hésite pas à passer en live lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Voilà, on t'accueille bien volontiers. Euh, ils sont là dans le chat. à n'attendre que toi, oui, 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 oui. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une très bonne rediff. Et nous, et nous, chat, et eh bien, on va vivre, euh, on va vivre, euh, on va vivre ce grand moment. On va quand même faire un petit point pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. On a donc, euh, eh bien fait un, un, un deuxième tour qualificatif où on est passé juste avec un but à la 94e euh, face à Linfield. On a gagné à Marby assez facilement. Et là, on est face à Anvers. On a gagné 2-0 à la maison. On rejouera le match retour euh, chez eux. On va faire un petit match de championnat. Entre-temps, on a perdu la j Cup. On a fait un nul, une défaite en championnat. Je rappelle que l'objectif, c'est de terminer dans les 4 premiers hein, pour nos dirigeants qui euh, nous ont mis beaucoup de pression. Voilà. On en, est, on en est là, les gars. On en est là. Et on faisait donc de terminer le match ici. Donc on va plonger euh, pour le match jusqu'au jusqu 20. Voilà, qui sera, qui sera ici. En espérant, euh, hop, en espérant faire quelque chose de, de fou. Hein. espérant quelque chose de fou. Alors, tac. Hum, pourquoi Marc Ah, mais c'est match jeudi. Ah ouais, c'est quoi ça Jeudi-dimanche, ça sera le match. Ok, jeudi-dimanche, on sera. Repac conférence avec Hibernian. Ouais, ça serait très très cool hein, que les clubs écossais se qualifient. Alors, on rappelle, hein, l'objectif, c'est de faire monter le COEF le plus haut possible. Donc là, pour l'instant, on a 3 points. Ce qui est pas mal, hein. Trois points, euh, on est avec la Suède, Pays de Galles, Chypre, Roumanie, devant les Pays-Bas, Bulgarie. Alors, ça reste que les premiers matchs, hein, mais euh, plus on marquera de points ici en qualification, mieux on sera. Et puis surtout, si tous les clubs peuvent se qualifier, ça sera nickel. Donc, Kilmarnock, ils sont extérieurs, enfin, ils sont cinquièmes. On va essayer de. Alors, attendez, hop là. On va essayer de faire tourner l'effectif. Hein. On va essayer de faire jouer euh, l'équipe euh, bis. Même si on a les joueurs qui sont, euh, qui sont blessés. Euh, pourquoi pourquoi l'équipe Beast Tout simplement pour se laisser la, la meilleure chance. Euh, la meilleure chance au retour. Hein. Là vraiment, on met tout ce qu'il faut pour passer. Hein. Voilà. Je suis de retour, je suis par le tuto. Merci beaucoup euh, Midwin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Et vous avez la chaîne replay aussi si jamais vous voulez vous abonner. Où il n'y a pas que du replay. Puisqu'il euh, y a une petite carrière aussi avec euh, City Skyline. Avec d'ailleurs un épisode qui va bientôt revenir sur City Skyline. On va continuer la vie. Voilà. J'ai gagné mon 0-0 8ème au classement UF. Voilà, GG ou avec quel pays euh, Quel pays, pays t'es passé euh, Matchado, ouais, exceptionnel. Hein, Matchado, on a vraiment des joueurs qui s'entraînent très très bien. Matchado 9,80. On a le petit déclin de banner qui est en train de progresser. Un hein, déclin de banner, regardez-moi ça. Tout jeune, hein, 16 ans, jeune pépite. On pourra lui mettre une petite tête quand même à ces gens-là. Hein. Morouz, très très bon. Sur la chaîne secondaire, ouais. Ouais, 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 les gars, vous avez la chaîne replay là, qui a été mise. Vous avez euh, une petite euh, 12 épisodes, je crois, de City Skyline. Un petit milieu gauche J3 à conseiller. Alors là, on va voir le 0 aéro et les joueurs qu'on a pris. Takoto Nakai, si jamais il est libre, je dirais de le prendre. Colisako, quel joueur. Putain, la détente verticale, la puissance, l'équilibre. Bien pas mal. Fiorini, on va le, le féliciter aussi. Morrison. Alors, je vais le féliciter de façon en dessus de, au-dessus de, de cette. Euh, de 7,50, on peut, on peut féliciter. Hein. C'est quand même euh, du bon entraînement. Et vous voyez que les entraînements sont quand même... Euh, alors les entraînements qu'on a partagés, on a partagé le début hein, sur le workshop, sont plutôt très bons. Pour, point d'exclamation, entraînement, si vous voulez télécharger, on va dire, la, la première version, si vous n'avez pas Steam directement. Thibaut Merci pour le dixième mois de Prime. Merci monsieur Thibault, comment va-t-il Merci beaucoup. C'est euh, coach actuellement de en clairement UBA, tu ne veux pas pousser avec Sport Interactif pour un rugby manager ah, j'aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais beaucoup. On en a parlé avec ceux qui font Tennis Manager. Je sais pas où ça en est, mais je crois que ça coûterait énormément d'argent. Il faut à peu près 1 million d'euros d'argent. million pour faire un jeu. Hein. Je crois qu'il faut 1 million d'euros pour développer un jeu. Donc, euh, 1 million d'euros. Si après, tu vends ton jeu, euh, on va dire 1 million d'euros, tu le vends 60 euros. Il faut combien de copies pour, euh, pour rembourser là, Juste rembourser. Et 60 euros, c'est cher. Hein. On va dire, si tu le vends euh, 35 euros, il faut 28 000 copies. Est-ce que tu vends 28 000 copies d'un rugby manager Pas sûr. Hein. Et en rugby, tu fais quoi comme tactique bah Après, tu fais des schémas tactiques. Tu fais des schémas de défense, tu fais des schémas d'attaque, des combinaisons. Euh, combinaisons en touche, combinaisons euh, en mêlée, combinaisons euh, avec, ton, avec ton 9, avec ton 10, avec ton 8. Tu peux faire sympa. quoi. il faut compter les impôts aussi. à Dragon, c'est vrai qu'il faut compter les impôts. Ouais. NGL Biathlon ils font comment c'est gratuit Bah c'est un gars qui développe Et tu peux donner ce que tu veux euh, voilà. Garbi observé par Zulteux On aimerait bien hein, le recruter le, le, petit, euh, le petit garby Ah il veut renégocier dis donc J'aimerais beaucoup le prendre hein. J'aimerais beaucoup le prendre 30 000 euros eh, C'est pas euh, C'est pas impossible hein. C'est pas impossible de le recruter 26 000 37 000. Ouais, 26 000. 31 000. 26 000. Ah, il, veut, il veut négocier mais pas non plus des masses. Quoi, hein. Il veut négocier mais pas non plus des masses. On peut lui mettre 30% de la revente. À 250 000. On y est quasiment. On y est quasiment. Prime de but, prime de passe-des. On peut lui donner 2 000. Prime de l'année, euh, on peut lui donner 15 000. Prime de remplacement utilisé, il peut avoir 1000 parce qu'il sera souvent utilisé. Prime de passe d'ess, 20 000 pour 15 passes d'ess, c'est ok. 240 000. Et si on donne 31 000 à ton agent Remporter la Scottish Cup, on peut lui donner 30... Euh, 35 000 Ah je sais pas. J'ai un joueur dans mon championnat qui a mis fin à saka à 20 ans. Ça vous est déjà arrivé Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive. Hein. Bonsoir Babou. On sera tous dans une partie dans un club amateur de Dès que je change d'entraînement, tout disparaît pour la semaine. Déjà eu le bug. Ouais, il faut repasser dans les entraînements et remettre les autres. Ouais. Petit coucou d'un fan du Zero héros. Merci beaucoup, Lord Seb. Merci beaucoup. Euh, tu penses qu'il accepte là ou pas faut monter encore un peu. Prime de remplacement utilisé. On va lui donner 1005. Écoutez, on va lui proposer. Euh... C'est quand même un très bon joueur. Hein. C'est quand même un très très bon joueur. 24 ans. Euh... Régulier. Euh... Ah, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Après, est-ce qu'on doit le signer ou pas Ça, c'est une bonne question. Hein. Je sais pas. On verra. On verra déjà s'il accepte la négo ou pas. Mais c'est vrai qu'on a besoin de joueurs. On n'a pas d'oseille pour les payer. Alors si on pouvait lui lâcher un, un salaire comme ça, on verra. C'est la star de l'équipe. Je sais pas si c'est la star de l'équipe, mais en tout cas, c'est vrai que ça serait un bel ajout. C'est un bel ajout. Top joueur, je suis d'accord. Il ressemble un petit peu à Edouard Michu qu'on avait et qui avait fait du, du beau boulot. Voilà l'équipe. Banner Winton, on fait jouer encore une fois une équipe bis. Vraiment. Pas de... J'ai aucun remords à me dire qu'on va perdre ce match-là probablement avec une équipe bis. Il y a un match après Qui est tellement important Qu'on y va Bonsoir Mister Midi Didi pardon Alors l'Europe Bah écoute c'est le prochain match euh, C'est le prochain match Voilà Je, je vous l'annonce les gars C'est le prochain match Le match retour Face à Anvers Voilà Prendra les points plus tard Exactement Takotonaka il est MOC Trop dur d'écrire les noms japonais Mais t'inquiète Je vais chercher par moi-même Je comprends Après à gauche Moi je joue pas avec des Des milieux gauche Et milieu milieux droit Oh merci Volpe C'est gentil As encore quelqu'un qui dit qu'il a vu la vidéo du dernier jour de taf. Je vous jure que cette vidéo va battre tous les records En jour. Oh, McGill, 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 McGill Moi, wow, j'y ai vu dedans Attends, mais il y a un type là On dirait qu'il y a un type en orange avec le logo de Sport Interactive. J'avais jamais remarqué. Je l'avais jamais remarqué. Envers, fais gaffe, c'est pas si mauvais. Ouais, ouais, je sais, hein, ça va être compliqué. Paye, paye pas sa place. Ce sont les locaux de Sport Interactif, c'est pas, pas impossible. Ouais. Ouais. Ah, il a que le haut, je crois, le type, peut-être. Ouais. Allez, le ballon pour Edeling avec McGill. Edeling, la pépite, hein, le bon centre. Dommage. Attention, contre-attaque quand même, ça peut aller vite. Et derrière, on a des jeunes. Hein. Ouais, c'est bien défendu ça. Oh, c'est bien fait aussi. Hein. Oh là là, c'est très bien fait ce qu'ils ont fait. Là, les... Changer de côté. Allez, faut... oh, là, oh là là. Oh la ré de Kinnar C'est bien. C'est quoi ton entraînement de match euh, Je ne l'ai pas partagé encore, Midwin. Ça dépend. Donc manque une petite vidéo de ta vie IRL, du coach. Euh, C'est-à-dire là maintenant, de, de ma vie IRL, comment ça se passe Vous voulez savoir comment ça se passe concrètement une journée de taf bah après ça dépend. J'ai deux semaines bien distinctes. Hein. Quand j'ai enfant et pas enfant, c'est pas du tout les mêmes semaines. C'est vrai que c'est pas les mêmes semaines. Mm. Allez. Pour l'instant on est on est, on est bien. Ah non Harper. Harper qui est touché. ce qu'on va vraiment le changer Montgomery. Ça passe au dessus. Ça passe au dessus. Un petit bilan 2023. Ouais. On pourrait faire une sorte de FAQ, mais euh, le truc c'est que j'ai pas de questions les gars. Pas de question on... Je vous dis tout. Euh, vous me connaissez. Je vous dis tout. On, on se partage tout tous les jours. Hop on va faire quelques changements quand même. Hein, on va pas non plus. Euh... On va pas non plus essayer de, de lâcher tous les matchs. Hein. Ouais. Handball manager. Tu vas sur stream. Tu trouves. Ah ouais. Handball manager. Bah là, il y, y a un basketball manager qui est sorti aussi avec des, des, des semblants de match. Alors, je sais pas à quel point il est bien ou pas, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette merde là Mais attendez, mais arrêtez-le lui là Les autres entraînements, les aura quand, Fifi Il est hors-jeu là. Hein Ça va. Euh, demain J'ai dit, Fifi, demain, demain je stream et je partage les derniers entraînements. Handball, pas handball Ouais, c'est vrai que c'est handball. C'est vrai que c'est handball. Tant pour moi. Le fameux pot de moutarde. Le fameux pot de moutarde, ouais. ouais pourquoi être supporter d'un club de pompe C'est une très bonne question, ouais. Hein c'est une très bonne question. Oh, banner. Et mec, saute Fais quelque chose Allez, ah, c'est récupéré par Boat, Bruce. Le problème, c'est que regardez, il est tout seul. Hein. Ah, le pressing qu'ils nous mettent. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde ah, Oh là là Oh là là, ouais, bah on peut rien. Voilà, banner, c'est bien. 16 ans, rappel rappelle. Hein. 16 ans, banner. Et toutes ses dents, déjà. Tu as National Rugby Manager. Ouais, mais c'est un jeu de, de pompe, ça. Oh, banner. Grégou, Kolisako. Winton. Winton. Oh, c'est pas vrai, on la met pas. C'est quoi, on va faire jouer quand Joku, hein, mine de rien, on est obligé de... Oh non, 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 non. Oui, le tac, ça va frapper. Avec Montgomery. Oh là là, c'est chaud. C'est un jeu de manager. Ouais, mais bon, c'est un jeu de manager de, de daube. Encore encouragé. serait bien de ne pas perdre ce match quand même parce que là on est, euh, on est quand même dans les méandres. Hein. Oh là là. Allez allez Grégou Allez la contre-attaque. Oh c'est un 3 contre 2. Oh c'est un 3 contre 2. Oh c'est très bien joué. Putain mais c'est pas vrai lui aussi. C'est pas finir une action. Putain. Ah ouais, mais là, là, là on doit le mettre hein. tous les jours. Hein. Oh bordel! Et les pertes de balles. Bon, on a fait tourner, il reste euh, 20 minutes. Alors, ce qu'il faut, c'est pas de blessure là. Pas de... Oh oui, 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 oui Njoku. Njoku là, l'accélération. La frappe à côté, bien sûr. Dommage. Tu fais 0-0 alors que t'as fait tourner. Bah, bon, on a fait quand même rentrer les, les joueurs d'équipe l'équipe 1 là. Hein. Njoku, Moruz, Machado, Sako, Bruce, tout ça c'est C'est équipe 1 là. Hein. Ouais. C'est comme les Pro Cycling Manager. Bah, il paraît qu'il a été assez décrié Pro Cycling Manager cette année. Je sais pas pourquoi. Ah, oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, c'est bien fait ça, Morose. Oh là, contre-attaque, c'est nickel. Machado, la tête pour Njoku. Ça peut aller très très vite. Il peut aller vite, Njoku. Hein. Il est capable d'accélérer. Il est capable aussi de faire de, de la daube. Hein. Oh, oui, c'est remis. Njoku, le centre. Machado, mais c'est pas vrai. Putain. Comment on peut. Ouais, Colisaco! Le but! Oh, qu'il est important celui-là! Oh, oui, qu'il est important! Je le prends volontiers! Ouf. Ah, la petite taille, il est grand, hein, Sako. Barre transverse à la rentrante! On prend, on prend, on prend, on prend! Ah, si on peut gagner, c'est nickel! Hein. Oh, le petit ballon vers McGill, la frappe! Oh, c'est contré! Contre-attaque, ça peut être terrible! Morrison La remettre dans l'axe C'est un défenseur central Ça, Qu'est-ce qu'il fout là Njoku Oui mon petit Allez on va On va fermer boutique hein. on, va, on va gagner du temps 75ème on est bien Ça ne pas le jeu et Ça fait des années Qu'ils font pareil euh, Pro Cycling Manager Ah ouais tant que ça J'ai hésité à faire Une, une carte Pro Cycling Manager là, Sur la saison euh, 2000, euh, 2024 là. Sur l'année 2024 Je me tâtais en une fern... C'est vraiment pas bien euh, Pro Cycling Hmm. Je sais pas. Hein. T'avais bien envie de me faire une carrière euh, pro cycliste là. Un hein, de prendre euh, pro cycliste, c'est là où tu crées ton ton perso et tu dois l'emmener là. Un zéro aéro mais en pro cycliste. Où je démarre, euh, je démarre pompesque comme moi, euh, streamer et puis on finit euh, à gagner le Tour de France quoi. Ça pourrait être incroyable. Salut Belave, comment Je vais te passer entre deux avec problème de santé, mais la seule chose que je te souhaite mes vœux et que le stream marche mieux que Squeezie. Oh bah écoute, marche mieux que Squeezie. On n'en demande pas tant, hein, euh, il bédave, hein. Ouais. Ouais, non, tranquille, hein. C'est génial comme jeu, j'adore, mais je vois pas les améliorations. Ok, bon. Il faut qu'ils qu prouessent. peut-être un. Peut-être un step-up aussi de leur côté, quoi. Hein. Mm. Franchement, c'est pas mal, si t'achètes pas le jeu tous les ans. Bah moi, ça fait un moment que je l'ai pas. Alors, j'ai fait une OP dessus cette année. En multi, moi j'ai kiffé. Voilà, En multi, j'ai pris, euh, pris mon pion On a joué avec Poney et Coon Et c'était vraiment très très cool. Donc euh, voilà. T'en fais pas souvent, tu kifferas. Le problème, c'est que le jeu évolue. Ouais, après, est-ce qu'il y a une communauté aussi qui suivra l'aventure C'est ça quoi. Parce que je pense que. Un pro cycliste, pour qu'il gagne le Tour de France, il faut du temps quoi. Il faut du temps. Et sachant que je vais être naze, ça va prendre du temps et pas mal d'épisodes quoi. Donc, du temps, euh, du temps du du, 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 on, de, du créneau de 11h sur YouTube. Quoi. Tu peux te doper, mais non, tu, tu peux pas te doper. Comme sur FM, tu peux pas. <laughs> tu peux pas. Si quelqu'un peut me dire s'il a gagné, eh bah ben, écoute, le match il est là. Le match est ici. Vous avez d'ailleurs la prédit Sterling nul ou équipe adverse. Je rappelle que euh, c'est à l'issue des 90 minutes sur ce match là. C'est tout. Kovacevic progresse de manière satisfaisante. Lui, il commence à être sérieusement pas mal. Hein. Le, petit, euh, le petit croate là commence à être très très bon. Le problème, c'est que techniquement, il a chier. Quoi. On va peut-être lui mettre euh, à un moment donné le placement défensif. Hein. Marquage, placement et décision, ça serait bien. Hein. Parce que là, t'es quand même pas ouf. Hein. Mais bon, il peut progresser. Bonsoir à comment il va Pour ça, je te suivrai sur PCM, c'est un super jeu de gestion. Ouais, je pense que c'est un super jeu de gestion. Il faut 3-4 ans pour win le TDF. En vrai, ça va. Mais ça correspond à combien d'heures de jeu Parce que si moi je fais, on va dire, 45, 50 minutes avec un peu de montage. 40 minutes, allez, on va dire 40 minutes. 40 minutes, euh, ouais, 40 minutes, euh, ça fait. Euh, ça fait pas beaucoup, quoi. Bonsoir, à 3h du mat', mon crack de 18 ans a mis à retourner acrobatique. Maintenant, je joue sur l'ordi fixe du salon. Ah, c'est royal. T'as pété le PC Un bon 7h la saison Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. 7h euh, la saison. Euh, ça fait combien ça Calculatrice. 7 fois 60 minutes. Ça fait 420. Divisé par, euh, on va dire, euh, des épisodes de 40, ça fait 10 épisodes la saison? Oh en vrai, ça va, ça fait en un mois, un mois et demi je peux, peux faire un truc? Ok. Non mais attends, demande de prêt de Luton Town pour Njuku. 0, 0000 0, 0, fin de saison, joueur secondaire. Mais attends, mais c'est quoi ces offres là? Mais qui c'est quoi ces offres qu'il reçoit, le type? C'est honteux quand même. Dispo transfert. Pas de prêt possible. Voilà. Bon bah attends. Spam! Merci pour le 15e mois d'abonnement. Merci Spam. Merci à toi. Tu peux simuler course, mais il faut faire les grands tours. Ouais, bah oui, oui, oui c'est vrai. Ma mère rentrée, m'a tapé et a pris l'ordi. <laughs> en même temps, si t'as hurlé à 3h du mat, euh, normal quoi. Hop là. Hop là. Euh, tu crois qu'il va dire oui là, le petit garbi Il est quel point il est bon? Ah, ça serait pas non plus notre meilleur joueur, quoi. Si on le compare, par exemple, à morose Moruse, il touche 16 000. Hein. Ah, c'est quand même pas mal, Garbi. Hein. C'est quand même pas mal du tout le petit, euh, le petit, là, hein, Garbi Je sais pas. Faut voir. Fraser Winston blessé, c'est pas très grave. Hop. Ouais. Je, je gagne le tour du gars Ouais, s'il faut, c'est pas grave. Hein. J'ai mis 100k sur l'avatar. J'espère que les joueurs sont pas bourrés. Écoute, je, 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 ce que je nous souhaite, c'est de gagner. Hein. Vraiment, je, je nous le souhaite. Allez, Jean Kulovic, toujours observé par Chelsea. Bruno Salomoun. Ouais, lui, il a l'air incroyable. Off de qui Off de Lafio et de C'est dommage, hein, on trouve des joueurs, on peut pas les acheter. 31 ans. On trouve des joueurs, on peut pas les acheter, on n'a pas l'argent. Donc, euh, voilà. On ne peut pas les acheter, les gars. Hein. Putain jean ça fait rire. Ouais, je sais que ça fait rien. Vladimir Barboza. Assez déterminé, équilibré. Il est pas mal, hein Il a les deux pieds. Euh, pas mal, le Vladimir. Et Pereira, là Pereira, c'est pas mal du tout aussi. hein. Putain, c'est pas mal du tout, du tout, même. C'est pas mal du tout, mais euh, c'est 5 millions, ouais. 5 8 millions, 8. Castaneda de Botafogo. Pas mal aussi, ouais. Là, on a un milieu centre. Agustin Jiménez. Ouais, il est bon bons joueurs. Hein. Ah, c'est Salomon qui t'a fait. Ok. <laughs> Takasaki. Assez professionnel, spontané, versatile, conflictuel. Ouais, 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 ouais. Hein. Ah, il y a tellement de joueurs qu'on aimerait, lui, on aimerait beaucoup, hein. Lui on aimerait beaucoup. Bah lui il est exceptionnel. Hein. Volume de jeu, endurance, agressivité. Euh, lui, le gars, il est. Il serait exceptionnel. Ça donne quoi Ethan Mbappé Je sais pas ce que ça donne, Ethan Mbappé. C'est Arène 2, apparemment. C'est Arène 2, les gars. On pourrait le prendre, je suis sûr en prêt, Ouais, 22 000 euros par mois. J'ai un doute. Voilà. Salut Matisse, comment tu fais pour avoir des cracks en recherche de joueurs euh, J'ai fait une vidéo YouTube sur la recherche, comment je fais, euh, si tu veux aller la voir. Point d'exclamation YT, je te mets ça. Voilà. Versatile, c'est bien ou pas comme personnalité Moi, je suis pas fan, après. Euh, je suis pas fan. Je suis pas fan. Enjoku, Machado, Monrose, écoute, on va y aller avec cette équipe-là. Hein. It's time, hein. c'est l'heure, les gars. C'est l'heure, c'est l'heure. Est-ce que je mets lui ou est-ce que je mets lui Véritable question. Je pense qu'on va mettre Edeling. Hein. Edeling ou Kovacevic Kinir. Fraser Winston, banner. Declan banner. Écoute, on y va comme ça. Hein. Quelqu'un connaît un logiciel pour faire du montage vidéo Moi, j'utilise euh, Premiere Pro. Premiere Pro, euh, euh, très bien. Bonne soirée aux pieds. Je vais regarder Fear the Walking Dead. Bah, écoute, très bonne série, Fier. On l'a fini et très très bonne série. Et des au milieu. Ouais, je suis pas fan. On m'en a déjà parlé de mettre lui au milieu là. Mais honnêtement, euh, à part l'endurance et le volume de jeu et le courage et le jeu collectif, moi je le préfère ici. Je le préfère carrément ici. Il faudrait qu'il euh, bosse le placement et la décision. Euh, la vitesse aussi. Il, il est pas mal, mais après, il a pas. Je pourrais beaucoup prouver ça encore. Ok, on verra. C'est Morgan. Est-ce que les clubs peuvent dépenser, euh, déposer le bilan Ouais, 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 ils peuvent déposer le bilan. Ouais. T'es payant en première pro Ouais, c'est par du montage de match de R2. Après, t'as CapCut, je crois, qui est gratuit, mais euh, ouais, c'est payant. Euh... Après, ça dépend. Je pense que tu peux prendre au mois, tu peux prendre un abonnement, un peu comme Netflix. Euh, faut voir. Moi, je sais que c'est payant, mais euh, c'est tous les mois que je suis prélevé. Ouais, 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 ouais. Après, moi, mon fils est, étant étudiant, c'est en fait mon fils qui est bien sûr euh, avec, sa, avec son attestation de scolarité qui est abonné. Hashtag gras. Géro, merci pour le Prime. Merci beaucoup pour le Prime, Géro. Ça fait très plaisir, merci énormément. Premier mois, mais j'avais pas vu Premier mois pour Jérôme de Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Malin Lex. Ouais, astuce Ratus, les gars. Si vous avez un. Ouais, Arthur Rave. Si vous avez un, un étudiant dans votre. Dans votre entourage, vous prenez sa carte, hein, les gars. Oh oh, oh, on y est Écoutez, on a gagné 2-0. Allez, moi je perds 1-0, je m'en fous Non en vrai, je m'en fous pas, il faut qu'on gagne pour le... les points. Les points UFA Le problème avec les Nugent, quand ils pop au club, ça met qu'ils sont pas formés au club. C'est normal hein, Matt. Donc il reste un certain temps pour être considéré comme formé au club. Allez les gars C'est plus Arthur Ray, mais Arthur Ra, exactement. Oh 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 Écoutez, on va le vivre. En mini-résumé, à l'aller, ils avaient tout raté. On avait eu un peu de réussite. Match retour. C'est parti mon kiki. Écoutez, euh, ça va être un gros match. Ça va être un très gros match, c'est sûr et certain. Voilà, je vous le dis, ça va être un gros match. Allez, le petit ballon. Voilà, c'est très mal fait ça. C'est pas ce qu'on aime, hein. C'est pas qu'on aime avec Duomo Ils ont une équipe Elle fait peur Oh il n'y a pas Peno Tout va bien Tout va bien Il n'y a pas Peno Morouz Je l'ai On peut repartir en contre-attaque Avec Machado Oh là Machado Allez il a une deuxième chance Il n'a pas perdu le ballon Machado qui accélère Machado le ballon Pour Morouz Morouz pour Njoku Alors peut-être Alors peut-être Oui Vous ne pouvez pas mieux commencer ce match écoutez il aurait pu avoir pénalty et but au final on est heureux par contre la passe de Morouz encore une fois et Njoku pour les entraînements sur Steam il n'y a plus d'image ok 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 on mettra à jour Hervé si c'est aurait été hors jeu c'est pas impossible alors c'est très important aussi de gagner ce match là pourquoi pour les, le co-FUF1 hein. sachant que c'est un club belge et que les Belges sont devant nous, devant l'Écosse au classement UEFA. Ah, ça serait pas mal de les éliminer, hein. Et Eh Oh la connerie Oh la connerie Oh la connerie Oh là là, oh là, oh là, oh là 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 Machado, non 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 Machado Nujen. Machado Nujen les gars. Ondreska, je suis tellement stressé, c'est horrible. C'est horrible Y a rien, mais les gars, ils se jettent. Oh, y a penalty là. Oh, il était passé. Qu'est-ce qu'il fait Dis-moi que tu vas donner ton ballon. Donne... Dis-moi que tu. Oui Bruce La contre-attaque Corner. Allez. Et dixième... Le match est encore long. Le match est encore long. Moi je me souviens du match face à Lincoln. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà la, la devise. Putain. Pourquoi il y a un numéro devant les pseudos entourés en bleu Putain, parce que c'est la prédiction, il y a peut-être en jeu. Oui, il y a en jeu. La Team 1, c'est ceux qui croient en notre victoire. La Team 2, c'est ceux qui ne croient pas. En notre victoire, mais en un nul, et la 3, c'est les traîtres. Allez, on a un petit peu de réussite. Tant que ça va, ça va quoi. La manette, Et écoute, euh, ça va. Si, 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 Moment donné. Oh là 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 là. Oh, 14ème minute. C'est long un hein, match de foot. Hein. C'est pas fini avec Brimbourg. Oh là là. Est-ce qu'on peut juste dégager au loin le ballon Voilà. Avec Duomo côté droit. Duomo, le ballon en retrait, le centre Varling. <laughs> Transpire déjà, je transpire déjà. On va féliciter. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de carton, qu'il n'y ait rien du tout. Rayman, merci pour le 13ème mois de Prime, Rayman. Merci beaucoup. 13 e mois, quelle belle carte de socio on a là, monsieur Rayman. Merci beaucoup. Tu devrais passer en équilibré. Je ne suis pas convaincu de cette. Euh... Non! Un Ricardo Pepi 33 ème minute. Ah ouais, mais on est, on est trop mou sur les, les, les têtes là défensive. Voilà. Oh Allez le corner pour remettre peut-être un un autre but. Oh là 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 là, il l'arrête, je sais même pas comment. Allez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il faut le gagner ce match, il faut le gagner. Putain. Ah oh là 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 On rappelle que si on, on gagne cette confrontation, on soit qualifié pour la phase de poule d'Europa League. Putain. Bruce. Oh oui, 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 oui. Oh l'arrêt de fou. Oh là là, ils ont quand même un bon gardien aussi. Hein. Conférence League, Conférence League, oui, conf... phase de Conférence League, c'est pareil. Pour nous, c'est la Champions League, hein. Njoku la frappe et deux ligues! Oh là! Ouais, Conférence League, Conférence League. Allez, la mi-temps, la mi-temps qui arrive, on veut plus d'occasion Ok, il y en aura une dernière. Ouais, si on prend un but maintenant, c'est la kata quoi. Il restera plus qu'un but d'avance. Oh, à moins que, à moins que Machado. Pourquoi pas et deux ligues? Il peut la mettre dans la boîte, il sait le faire. Il sait le faire Putain. Comment on peut se rater autant comme ça On va monter les ventilos là. Je suis content du déroulement. En ah, on a toujours deux buts d'avance. Hein. Là c'est exactement comme au début du match, on a toujours deux points d'avance. Enfin deux points d'avance, deux buts d'avance. Il faut qu'il nous gagne... Euh... Ah, il faut qu'il nous gagne 3. Allez, il y a les Rouge pour moi, mais bon, encore une fois, l'arbitre quand même beaucoup de clémence avec cette équipe euh, d'Anvers. Ah là 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 là, avec Youssouf. Oh, ça va tourner Brimbourg. Brimbourg, il va frapper, il va frapper. Oh là 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 là, le tir contré. Heureusement, c'est C'est sorti par le gardien. Mon Dieu. Le corner. Ah L'arrêt de McKenna. Anvers, c'est pareil, Anvers, Antwerp, tu appelles comme tu veux quoi, Club Belge. Morrison. <gasps> Colissaco. Oh là, là 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 Oh là la boulette Oh la boubou, la boulette Putain, mais les pertes de balles comme ça, Colissaco, j'ai envie de le buter hein Oh la Brimbourg. Attends, on est à la 48ème Allez, c'est contré, c'est contré avec Barbosa, ça va peut-être revenir. Putain, on se fait assaillir. On est sous presse. Non mais, hey mec, il y, y a une occasion toutes les 3 secondes. On peut pas juste euh, dire qu'il n'y a plus d'ocasse jusqu'à la fin du match Alors peut-être. Oh, très bon ballon. Oh oui Ne me dites pas que je viens de voir ce que je viens de voir là. Mon dieu. Il avait juste à mettre un petit plat du pied juste à là. À la brosser putain. Sako a parié des Green coins sur sera défaite, c'est pas improbable. Duomo. Hop là au-dessus. C'est dur. Nathan, merci pour le follow, bienvenue parmi nous. 55e. Ça fait que 10 minutes ça a commencé la deuxième période là. Non, c'est pas possible. Oh mon Et le but. Le but, il est là. Le but, le but le but sauveteur, le but qui va nous mettre. Non, je sais pas, bien. Bien, je, je dis ça, mais on peut faire une énorme erreur. Oh oui, Fiorini. La profondeur pour Morouz. Maman, mais, euh, mais il cheat aussi, l'autre là. Très bizarre, les arrêts, quand même, de ce gardien de se garder un but là. Nous, on n'arrête jamais des frappes comme ça. Fiorini, la grande tête de Sako la grande tête de Sako Y'a Péno Y'a Péno merde ah, L'arbitre Non, il veut sortir, il semble souffrir d'une contracture. Super. Ne veut pas sortir mais handicapé par une blessure. Super. Super, 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 super. Qu'est-ce qu'on fait là C'est une bonne question, ça, maintenant, ce qu'on va faire là. Eh, tant pis, hein, mec, tu joues jusqu'au bout, hein. Non mais il joue jusqu'au bout. Euh, blessé, pas blessé, on peut pas le changer. On a, on a, on a que des pompes sur le, le banc. Euh, on peut pas. Quand on aura signé euh, Garbit, ça ira. Hein. Oh oui. Oh non, j'ai cru que ça co-récupéré. Oh c'était très très chaud. Honnêtement, c'était très très chaud. On va, on va, on va, là, on va souffler, puis c'est bon. Oh oui et juste après le but. Oh là 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 Magnifique, magnifique. On était à deux doigts d'en prendre et Eh ben on en met un. Boum Ça sent bon les gars. Il y a, il y a trois buts d'écart. Ça sent bon. On va sortir matchado Fais hein. rentrer McGill. Allez allez allez. Faut faut tenir. Faut tenir, faut tenir. Écoute, 2-1, c'est très très bien. Oui, oui, non. Salut Tété On est à 15 minutes du Graal. 15 minutes de se qualifier. On va baisser le rythme. Oh mon dieu, le coup franc de Youssouf. Faites qu'il s'envole. Oh, McKenna, les doigts qui collent. Les doigts qui collent pour McKenna. Euh, Gélin, on va mettre Grégou. Ben Harper à la place de Cameron Bruce. On va mettre Kovacevic. Et en plus, on prendra des points importants pour l'Europe hein, si on arrive à les battre chez eux. Allez. Oh Fiorini. Oh. Non Oh pourquoi Oh pourquoi faire ça Oh pourquoi faire ça en plus, blesser l'autre La Fiorini Ah oh, là 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 là. Ah, oh, c'est une catastrophe. Ah, oh, on n'a pas de remplaçant en plus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas... pas quoi faire les gars. Je... Je ne sais que faire. Bon what tu peux jouer où là Il y en a pas un qui peut dépanner Cédric là. Tu peux dépanner Cédric Ouais, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Euh, Morrison, ça peut dépanner. Morrison, ça peut dépanner. Ouais, ouais, ouais. Écoute, hein, on y va comme ça. hein Ça va être long. Ça va être très très long. Ça va être très 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 long le, la fin de match là. Putain, sakko qui nous a pourri le match. Hein. Pipi Putain, Sako T'as dit Morrison, pas qui prêt Putain. Bien vu. Sors, je t'en conjure. Allez, cours, 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 cours quand on peut résister, il reste quoi 4 minutes C'est rien, 4 minutes dans une vie C'est rien du tout Fume-le Là, on peut les fumer, hein, mec. Là, il faut, faut y aller les deux pieds décollés. Hein. Allez, allez, allez. Nous souffle. Il reste une minute. Mais non Mais c'est pas vrai Mais ils se foutent de ma gueule Ils se foutent de ma gueule On leur donne des occasions. On leur donne des pénaux. On leur donne des cartons rouges. Non, mais ah et oh Putain Penalty accordé. Se comparer sur euh, la victoire en sueur. Se comparer sur le nul en sueur. Plutôt optimiste. Se comparer sur la défaite. Pourquoi pas en prendre un autre après Oui Les points UEFA Bien sûr qu'on va aller chercher ces points-là. On y va on y va, on va les chercher aller chercher pas vraiment, on va pas vraiment les chercher. Ah on va pas vraiment les chercher. Coup, de, coup de dur. Coup de dur. Coup dur. Coup dur. Bah, après on est qualifié. Hein. Bah les couilles, on est qualifié là. Vous n'allez pas venir... Euh c'est fini! C'est fini! Ouais, le plus important! Le plus important, c'est la, la, la victoire, les gars. Le plus important. En plus, c'est lui qui a marqué le but à la 95 e Putain, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe! <laughs> ah, on est. C'est comme ça qu'on gère, les gars. Je m'en fous! Je m'en fous! Je suis très content de payer la team no et je suis très content parce que c'est fait! C'est fait, on est qualifié pour la phase de poule. Alors, attends. Aberdeen est qualifié aussi. Oh Aberdeen, ils ont fait nul. Let's go. Let's go. Hibernian est qualifié aussi. Let's go. Trois clubs écossais. Trois clubs écossais en Europa Conference. Oh là 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 là. Ah, les points UFA crucifiés. Ouais, mais c'est pas grave. Regarde, BIM. Qualifié. Nous ne méritons rien. Machado blessé à deux jours. 100 000. Saco suspendu. Boom. deux semaines. On est bien. Oh les 3 millions d'euros. Oh, quatrième tour. Résultat surprise. Ouais, mais on s'en fout de 3 millions d'euros. Et le calendrier, CSK Sofia, Larne, Saint-Galin, West Ham, Panathinaikos, Amonia. Honnêtement, les gars. Honnêtement, là, tu me, tu me demandes de placer sur une carte. Aumonia! Je sais pas. L'Arne, je sais pas. Ben, je sais que c'est en nord-irlandaise et en hein, Chypre, mais tu me dis de base. Euh, Franchement, ça, c'est des clubs de pompe. Hein. Ouais, Saint-Galin, euh, Saint-Galin, ça vaut que dalle. Hein. Les gars, Saint-Gal, oui, Saint-Gal, Saint-Galin, c'est pareil. Écoutez-moi bien. C'est à Nicosie, Omonia Ok. Panathinaikos Ok. West Ham, ça va être, ça va être corsé, ça. Hein. West Ham, ça va, être, euh, ça va être corsé. Et le CSK, bon, le CSK quoi. CSK Sofia, pas CSK Moscou. On rappelle que c'est 500 000 par victoire. C'est combien C'est 500 000 par victoire, je crois. Hein 500 000 par victoire, 166 000 par match -ul. Là, on vient de prendre tellement d'oseilles. Oh ah ouais, ouais, là on est bien. Oh là 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 là. là, là. Et ça commence quand Le 14 Ah mais ça commence là en fait. Je pense que là on peut prendre 500 000. Là on peut prendre un million là. Là on peut prendre un million, on est à domicile ici. Ça la Singale. Didi, ouais ouais, Midwin, ça va là, on va lui dire c'est là Singale. Ça va être compliqué. West Ham, je pense que ça peut être très dur. Panathinaikos, CSK, je sais pas à quoi on va être mangé, mais on verra. Mais ce qui est sûr c'est que c'est la richesse. Oui. Bon, mettons tout ça au repos. Maintenant, il va falloir se concentrer sur euh, qui qu'on recrute. Qui qu'on recrute. Caman, il voulait pas venir. Hein. Professionnel, après, c'est des médias réservés. Il demandait trop de salaire, je crois. Euh, Oyer Zaraga. Ouais, pas mal. Et Nuke. Euh, Nuke Nuk Mfulu. Ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. Et lui, bon, ouais. Ah, il est pas mal. Hein. Ah, il se blesse. Parce que Ibrahima Sori il était pas mal. Ah, bonne détail de bonne puissance c'est un peu un colisaco quoi c'est un peu le même profil Ouais, ils sont moyens les quatre après on n'a pas d'oseille hein, les gars colisaco ah, c'est un sous colisaco avec tes 3 millions et dirigeants vont pouvoir changer la pousse en ton accord ils font ça je les bute, écoute moi bien ils font ça et Garbi, bah Garbi euh, on y a proposé un on y a proposé un contrat hein. Moi Garbi ça me fait penser à Carbit, ça me fait penser au, au, au Couscous Garbit les gars. Ouais moi ça me fait penser au Couscous Garbit son nom. Je suis désolé hein, Isma si tu nous regardes mais c'est vrai que c'est fou. Quoi. Salut euh, c'est j'espère que t'as passé de bonnes fêtes. Oui Ça se passe bien ouais. Car à Street Match, tu vas avoir plus que la moitié du championnat en Europe. Bah écoute on, on, va, on va se débrouiller là. De hein. toute façon on va se débrouiller. Par contre on en est où là en termes de, de match aussi En chinch Anciens, le Celtic, euh, ils ont perdu un match, c est, c est, ils ont perdu face à Aberdeen, 2-1, 2-0. Eh, hey. ils ont gagné face au Slavia, ils prennent quoi? Leipzig, hmm, Stumgraz, ok, Nice, Liverpool, Galatasaray, Lens, Feyenoord, Real. Mec, nous, on nous met face à ces équipes-là, je pense qu'on prend des. À part Stumgraz qui est un club de pompe, je pense que Leipzig, on prend tôle. Nice, je pense qu'on perd. Liverpool, Galatasaray, je pense qu'on prend la porte. Lance, Alexar compliqué. Feyenoord à domicile, pourquoi pas Mais Real, ah ouais là, Celtic, Celtic pas ouf. Et les Rangers, ils ont fait quoi 1-0. Donc ils sont en Ligue Europa. Moi, c'est pas plus mal. Betis, Bruges. Zalgiris Vilnius, Slavia Prague, AZ Alkmaar et Racing Club de Genk, Boavista et Fribourg. C'est à leur portée quoi. C'est les Rangers, on verra. Salut les dons Ça donne quoi là On a marqué combien 4,5 points pour l'instant. On a marqué 4,5 points. On est, le, on, est, on est le pays qui a marqué le plus de points. Et nous, sachez quand même que. Euh, ce qui est beau, c'est que Hibernian est qualifié en Europa Conference. Ils vont jouer contre AEK, Eindhoven. Ah oui, quand même. Sovan Iberek, Ok, ça va. Et Aberdeen, ils vont jouer face à qui Aberdeen, la Roma Aïe. Dynamo Batumi. Bon, c'est des pompes. FCB, Tobol, Astana, Viking. Il y a un monde où on peut prendre pas mal de points. Il y a un monde où on peut, euh, on peut prendre pas mal de points. On verra comment ça va se passer, mais il y a un monde. Où ça peut bien se passer. Je pense. Bah, on a fait nul 2-2. De on s'est fait voler, les gars. La vérité, c'est que si quelqu'un a fait un clip, je veux bien prendre. Mais on s'est fait voler. On s'est fait voler des points. Les dirigeants ravis de l'avancement. Ouais, bah écoute. Ravis de l'avancement. On rappelle que l'objectif du club, quand même, c'est de se qualifier en Europa Conference League par le championnat. Donc de terminer dans les 3-4 premiers du championnat. Ils ont pété les plombs ces gens-là. Ils ont, ils ont pas les pieds sur terre, c'est ça le, le problème. On a, enfin, là en plus on va jouer face aux Rangers, ça, ça va être difficile. C'est cool, ça va le faire. Alors, en tout cas j'ai hâte de voir à quel point on va, on va être bon en Europe ou pas. Pour moi on peut faire quelque chose, il est pas, il est pas dit qu'on fasse pas un huitième de finale. Hein. Bon ce serait très bien pour, euh, pour l'indice d'aller en 8ème. On verra, on suivra. Hein. De toute façon, là on a marqué 4 points. L'objectif c'est de marquer minimum, ma minimum 10 points avec, euh, avec l'écosse. Parce que si on arrive, on repasse hein, sur le, le, le coef. Hop. Si on repasse sur le coef, si tu regardes le coef euh, le coef ici. En vrai, si tu as, si as, si as fait 10, 10, 10, 10, 10, t'as 50 points. à 50 points t'es 9ème. T'es bien. Après, si t'arrives à choper ici une sixième place au Portugal à 60-65 points, c'est un autre niveau, quoi. Il faut au moins euh, ouais, 12-13 points par an, c'est différent, quoi. Ouais, il faut 12 points par an, ça commence à être chaud, quoi. Ouais, 12 points par an, ça commence à être compliqué, mais on a fait 11-40-11-1. Là, si on fait un petit 13-14, euh, voilà, quoi. Ça donnait quoi la fournée de jeunes euh, On a le petit banner qui est pas mal. Le petit banner qu'on a mis en équipe 1, bon il n'est pas régulier, mais il est déterminé. Et il avait déjà 16 en finition. Voilà, on le fait jouer euh, déjà des, des bouts de match. Voilà. C'est moyen moins que ça fasse du bien financièrement. Ouais, il nous, en fait, il, faut que, il fallait qu'on fallait absolument qu'on gagne de hein, toute façon. Euh, là, financièrement, on est à 1,6 millions. Euh, ce qu'il faudrait, c'est augmenter encore le recrutement des jeunes, hein, mais ils vont refuser. Club affilié, ça ils vont refuser aussi, on verra, club affilié. Partager le centre d'entraînement, éteindre nos réseaux. Ouais mais ça c'est pas bon ça. Ça me plaît pas cette demande. Ça me plaît pas cette demande parce que là ce qu'il faudrait c'est ça. Je sais pas s'ils vont accepter, on va redemander. Hein. Et un nouveau contrat. Euh... Nous on a un contrat jusqu'à quand là 2031 on a le temps ça. Non non merci pour le follow, bienvenue parmi nous. Installe-toi tranquillement. Première place au Panthéon face à Guardiola est compliqué. Ah ouais, si tu veux chercher la première place au Panthéon, ouais, c'est pas évident. Hein. Et De Ligne affiche des progrès encourageants. Ouais, pas mal du tout. Hein. Joueur qu'on pourrait vendre. Joueur qu'on pourrait vendre euh, qui nous rapporterait pas mal d'oseille, hein. mine de rien. Il y a un tour de barrage après la phase de championnat en conférence. Ça dépend où tu termines, Mister 10 C'est comme la Ligue des Champions et comme l'Europa League. Je crois que t as... T as exactement le... le même système. On va aller voir, mais... Règlement. Là, ouais, c'est exactement ça. T'as les 8 premiers qui sont qualifiés pour les 8e. Et de la 9e à la 24e place, c'est tour de barrage. Tour de barrage. Et là, es combien là 300 000 de participation à ce tour. Là, c'est 600 000. 1 million. 2 millions, 5 millions pour le vainqueur. Bon, on n'y sera pas, hein, mais euh... bah déjà là, euh, les sommes par victoire, 500 000, peut se mettre très très bien. Quoi. En spectateur, pardon, et que la billetterie rapporte que dalle. Est-ce qu'agrandir le stade, c'est un bon plan Oui. On voit que tu es toujours full en billetterie. Est-ce que ça aurait des revenus plus stables Oui. Pour ceux qui suivent la, la carrière euh, zéro aéro, euh, on est passé d'un stade... De 30 000 places qui n'étaient pas chez nous, dans la ville, à un stade de 10 000 places chez nous, euh, on fait 10 000, ça fait 300 000 par match hein, à domicile. Hein. 300 000 euros par match à domicile, hein, c'est euh, pas mal. Hein. Voilà. C'est pas mal euh, du tout même. Ça vise les barrages. En vrai, je pense qu'on peut. Eh hein. hey On pourrait le prendre, hein, le petit. Et comment vous en pensez quoi le petit camon là. Après le problème c'est que honnêtement, moi, thaïlandais, ça m'irait très bien. Il peut dépanner, même si, bon, il n'est pas, pas très fort. Mais euh, surtout professionnel, quoi. Ça pourrait euh, bien aider les, les petits jeunes. Mais il veut trop, je crois. Je crois qu'il veut trop de thunes. Vince Carter Salut à toi, 19e mois. Merci beaucoup, Vince. Merci pour le soutien, c'est grandement apprécié. Merci pour ton, ton abonnement. Et euh, on, est, on est en Europe, on est qualifié. On a fait deux partout au match retour. Ouais. Ouais. Mehdi de son prénom. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais non. Super sub. 25 000 pour moi, c'est trop. Hein. En fait, si on avait de l'oseille, tu te dirais 25 000, c'est pas si cher que ça. Mais là, c'est trop, trop d'oseille. Même 18 000, c'est. 21 000. Ouais, 19 000. Après, on n'a vraiment personne en milieu défensif. On a Fiorini, Gelin, Colissaco, et c'est tout. Et lui, même si, euh, après Endurance 13, QPN à 13, il ne va pas faire beaucoup de saisons. Hein. Mais le fait qu'il soit régulier professionnel... Je sais pas. Il faudrait qu'on voit si on ne peut pas avoir un petit peu mieux. Hein. Maintenant qu'on a, on a un petit peu de thunes, est-ce que euh, dans la sélection de, de Pepitas, là, intéressé par un transfert, on a quoi ah, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'oseille, hein. tu vois. Malam Gomez, on pourrait le prendre. Ça, c'est les joueurs qui sont intéressés par un transfert. Anaki, il est intéressé par un transfert. Ah, ouais, pas mal aussi. Johan Oumeres, on l'avait vu aussi très intéressé par un transfert. Milieu défensif, on, a là, on en a un là. Fais voir, attends. Faudrait que je demande des rapports. C'est vrai que. Euh, quand on n'a plus de rapports. Hein. Quand on n'a plus de rapport, on ne sait pas, hein. Il y a lui là, mais bon, il a pas l'air d'avoir un méga potentiel. Hein. En milieu défensif. On a lui, on a Manuel Gomez, Frédéric, c'est pas si ouf que ça, je crois. Hein. On peut enlever, hein. on va retirer de la sélection. Ça, c'est ceux qui ont pas 5 étoiles. Euh... Ceux qui passe pas 5 étoiles ou près, ça va être dur. Hein. Comme dit la priorité, c'est un 9. Pour vous, la priorité, c'est un numéro 9 Ah ouais ah ouais, la priorité pour vous, c'est un numéro 9. Ah ouais, 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 je sais pas. En vérité, je sais pas, même lui, il est pas si ouf que ça. On Je sais pas. Banner, c'est trop léger. Ouais, je suis d'accord que s'il y a blessure, ça peut être, euh, ça peut être compliqué. Madame Gomez, j'aime beaucoup. Euh, passe à 12, euh, décision, anticipation, appel de balle, contrôle de balle. Endurance à 18 Volume de jeu à 13 12 en QPN déterminé euh, Bon en première chip pourrait beaucoup progresser Ce serait un joueur intéressant ça hein Ce serait un joueur intéressant Plus que Garbi par exemple Parce que regarde Garbi euh... Tu vois c'est Garbi on est au max du pote Et là on est sur un joueur Qui va progresser il demanderait euh, un salaire qui, est, qui serait convenable. Hein. Après, lui en tacle, placement, il, est, il pourra pas défendre. Hein. Lui, c'est vraiment. Ce euh, sera vraiment numéro 10. Quoi. Tu peux le prendre en prêt. On peut le prendre en prêt. On peut le prendre en prêt. Euh, ouais, on peut le prendre en prêt. Joueur de rotation, on peut. Avec une option d'achat. Une option d'achat 1 million 1 million. 1 million 5. 3 millions 2 000 000. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. 3 millions 2 euh, l'option d'achat. J'y crois pas vraiment quoi. J'y crois pas vraiment. Ah non. Trop cher. Un petit peu trop cher. Salut subgunner, ça va j'ai pas pu passer ces derniers jours, bah, ça va très bien et toi c'est bon. es qualifié pour l'Europa League, donc je suis très content. Et merci B... BGX pour le BGX pour le, le follow. Aïe 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 aïe. Sinon, il y avait lui. Hein. Qui était pas mal aussi. Le petit Karwin Williams, le gallois, là. Joueur de Ream. Il fait voir là dans les joueurs qu'on est en train de, de checker. Et après, il y a les joueurs aussi qui ne sont pas intéressés. Hein. On avait Yatsiki, 5 ,2 millions d'euros. Moi, je le trouve exceptionnel. Patrick Del Castillo, pareil, 20 ans. Le gars est, est incroyable, même s'il se blesse, C'est pas si cher. 800K le joueur. 800K pour un joueur comme ça, je le prends tous les jours. Hein. On va refaire une offre, on ne sait pas, on verra. Wilson Ferreira. Ouais, c'est les gros joueurs, mais ça, ils viendront pas. Hein. Madame Gomez. Kaka Junior aussi, d'exceptionnel. Après, il a 17 ans, donc euh, peut-être qu'il veut pas venir pour ça. Ah, Segawa, Ouais, Maklus... Ah, c'est vrai qu'on a McCloskey aussi. Jean-Luc... Euh, Jean Kulowski, là Mais en fait, le problème de Jean Kulowski, c'est qu'il veut pas... Il veut pas venir, en fait. Moi, je voudrais bien. Hein. Je suis prêt à. Et à moi, à 2 millions d'euros, je l'achète tous les jours, Jean hein. Kulovic. Hein. Bon, on a eu nos adversaires. Je l'achète tous les jours. Tous les jours. Euh, Pépite Europe, on a quoi donc là sur le. Ouais, Pépite d'Amérique. Fran Alvarez. Ouais, physiquement, c'est trop light. Vladimir Barboza. Chavaria équilibre, passe, technique, vision du jeu. Très, très bon. Hein. Très beaucoup coup d'œil. Hein. Et reste du monde, il euh, y a le petit Taksaki hein, qui pourrait être un, un bon petit jeune. On peut voir le potentiel, mais à 17 ans, il ne viendra jamais. Bon, on va jouer face aux Rangers. On va voir le match. On va mettre la même équipe. Hein. De toute façon, il est hors de question qu'on fasse un mouvement ici. Le problème, c'est que si on prend Garbi, on est à combien là de... On sera à combien financièrement? Ah ouais. C'est compliqué, hein. Car on n'a pas 1 euro euh, en poche. On est littéralement. Euh, littéralement dans la panade. On n'a pas de thunes, on n'a rien. Mais, ouais, Il va falloir qu'on gagne un maximum de matchs en Europa Conference League. Et après. Imaginons on fait 4 victoires. On prendrait 2 millions. C'est pas non plus énorme, hein, mais bon, ça serait ça plus le... Oh là là, Chancel Mamba du côté des Rangers. Ça serait pas mal. Puis après, il faut remplir le stade. Pour remplir le stade et espérer qu'on fasse euh, peut-être un agrandissement aussi. Hein. Agrandissement stade, en vérité, ce serait, ce serait vraiment le bon plan. Si on pouvait passer à 5 6000 places, parce que là, 3800, dur. Il faut vivre au-dessus de ses moyens en espérant gagner de l'oseille. Hum, Je suis pas sûr que vivre au-dessus de ses moyens soit une bonne idée là. On n'a pas de revenu euh, de sponsor, on n'a pas de revenu euh, de télé. Dur. Dur, dur, dur. De toute façon, tant que vous n'êtes pas en finance saine, ça va être compliqué qu'ils acceptent une hausse de nos revenus euh, bah, salariales ou, ou transferts. Bon, tu passes de 214 à 277 par mois, un salaire, tu prends Garbi. Ça prend pas en cas de propsi, ça prend en compte d'autres propositions, je pense. Après, il a, il a un salaire quand même avec beaucoup d'options. Oh mon Rose. Oh le ballon, oh, Njoku. Njoku Mais oui, mon petit Une minute de jeu. Boum Ah là 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 là, le but est accordé. Ah, c'est un match important. Mine de rien, c'est quand même un match important. Parce que euh, c'est très serré hein, le classement. 8 points, 4 points. Ah, c'est serré. Voilà, c'est le, le petit mot c'est serré. Et bonsoir à ce qui bonsoir, euh, voilà, bonsoir mon Seb. Allez. Oh là là, il y a des espaces. Oh, il y a des espaces. Putain. On se fait ouvrir, on se fait ouvrir, mais il n'y a rien, il y a, y, a, y a Nib. Aucune dureté sur l'homme. Putain. Tu ne passeras pas juste avec Garbi Non, 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 je pense pas. Le tir est contré, je vois pas d'autres euh, solutions. Ouais, le tir est contré de. Ouais. Ah, ça malheureusement, tir contré en trait de surface, euh, compliqué. Alors, physiquement, ils sont. Ils sont fatigués, hein, mine de rien. Ils ont été eux aussi dans un match euh, difficile en qualif. Donc, pourquoi pas euh, les avoir sur le long terme On verra. Je viens de rentrer du taf. vivement que les fêtes se tâment. Ça va, Subgunners là les fêtes, l'ambiance la, de Noël, la magie de Noël, Seb. Aïe ah, Fiorini. Tiens, un petit peu de magie là, voilà, justement. Ah bah la magie, on l'a pas, et ça va partir en contre-attaque, ça va aller très très vite. Avec Minchef. Oh, il est tout seul. Oh, il est tout seul. Hop là, ça. Ah, c'est chancel, Mbamba, chez eux. Hein. On ne doit pas avoir tout à fait le même budget salarial. Bah, uniquement ce joueur, c'est notre budget à nous, quoi. 22 ans de carrière, il a commencé au Congo. Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille, Rangers. Ça va. Ça va la carrière, quoi. Vive les fêtes de fin d'année, hey, c'est trop bien, la déco, la bouffe. On est d'accord, Evan, et les petites musiques de Noël aussi, avec les petites musiques Disney dans la rue. On aime. La seule magie que j'aime, c'est celle de la sauce magie que je mets dans la salade. Ah, j'aime pas la sauce magie. Je sais pas comment vous faites, mais euh, ouais, sauce magie, j'aime pas du tout. Fiorini. Oh. oh oui! Oh le but est exceptionnel! De la nuque! Je sais pas comment il a fait pour la mettre! Oh c'est bon! Attends, mais il va siffler hors jeu là? Mais non! Mais comment il siffle hors jeu de quoi là? Et comment ça hors jeu? Ah ouais! Il est hors jeu! Juste avant la mi-temps, ça aurait été tellement bien. Après, t'aimes pas grand chose, les gars, j'adore. J'adore beaucoup de choses. J'adore énormément de choses. Vous êtes. Euh... Vous êtes médisant. Voilà, je le dis, vous êtes médisant. Ouais. C'est honteux. C'est honteux. Pareil, usé mentalement, je bosse dans la grande distrie. Ouais, Seb Gunners, après. Ce qu'il faut... Qu faut dire, ce qu'il vous dit pas, Seb Gunners, c'est qu'il fait de la mise en rayon, mais au rayon alcool et chocolat. Et, et derrière, en, en, en dehors, là dans le hangar, il se file. Il se file une bouteille de Jagda avec un paquet de chocobon. Donc tu parles que les fêtes c'est compliqué. Bah ouais. Et le ballon pour Edeline. Il est pas mal. Monrose. Mec, il est hors-jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu Putain. Il était pas hors-jeu. J'y crois pas. Danilo. Mon dieu la contre-attaque. Fumez-le. Ce match retour, on l'a. On, on, on a fait deux partout, Police Met, mais on est qualifié. Oh, Sambo Voilà pour Minchef attention. Ah, attention Mais ça dégoûte oh Putain On domine le match, on est là, on est bien, mais on perd. Oh, yeah, yeah. Marque à la de une... marqué à la première minute. Et maintenant, on est là. On court après le score. Machado nous fait un match de, de pompe. 6,2. Allez Njoku. Oh, oh là, là là là, la frappe, elle était incroyable. 10 tirs 7 cadrés, 8 tirs, 3 cadrés pour les Rangers. On va passer en offensif à la 70e. On va monter un peu le. On va monter la ligne. Ah, on va monter la ligne, on va s'engager un peu plus. On va essayer de filer un, un peu. Un peu un peu là. Allez là ça serait bien de ne pas perdre. Ouais, ça serait bien de ne pas perdre. Grégou. Harper. Kovacevic. C'est qu'on n'a pas de mi-offensif remplaçant. Ça, Garbi, ce serait bien qu'il signe, hein, quand même. Hein, pour qu'on ait un gars qui puisse rentrer euh, à la place de, de Monroe et de Machado, qui soit de qualité. Pareil pour, de, pour Njoku. Hein, il n'a pas de... C'est vrai qu'un numéro 9 euh, serait, serait pas mal. On pourrait avoir des numéros 9 libres. Mais ça va coûter un bras, hein. Oh, Danilo. Oh, Danilo, comment il nous a mis. À... Ah ouais, le contrôle orienté comme ça, ça fait mal. Hein. Et salut Marley. Bonsoir à toi. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu as passé une bonne journée. Et bonne fête de fin d'année, bien sûr. Allez, il reste du temps. Il reste du temps. Il reste un petit peu le temps. 10 minutes, c'est long pour marquer deux buts. En tout cas, ne pas perdre, Ça serait bien. Allez, pourquoi pas Pourquoi pas là-dessus avec Grégou Kolisako, Le ballon pour Ah oui Machado Match de ne... Match de naze hein. Il était à 8 de note Avant ce, avant ce but Allez Allez marquer le marquer un autre Pourquoi pas Allez, Une dernière occasion Dans les arrêts de jeu Ah oh, oui Un dernier corner Y'a Merde, ah, l'arbitre Qui tire si arbitre, faut faire votre boulot, merde Qui tire On peut le faire. On peut le faire. N'joku sur de lui. Je m'en remets à Monsieur Njoku. Le pénalty est accordé à la 94 e minute. Dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu pour la prendre la win. Oui Putain j'ai cru qu'il allait rater. Ouf Bon dieu, j'ai fait dans le froc. Oh là 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 j'y cru oh là, oh là 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 Ça va. Tout va bien Tout va bien <laughs> Tout va bien Tout va bien Tout simplement fabuleux Oh oui Richard, regarde ça Tout simplement fabuleux Exceptionnel Il est de retour il est de retour. Oh Franchement, gagner face aux Rangers, c'est un énorme, énorme, énorme step-up déjà pour nous. Et puis surtout au classement, ça change tout. Ça change tout. On pouvait avoir uniquement un petit 4 points et être là. À 7 points, on prend le bon wagon. Hein. Après un début de saison moyennas, tu te retrouves avec 7 points, t'es deuxième. quoi. Ça va. Sterling vers les cieux. Bah écoute, deuxième. Deuxième du champ, on joue le titre, voilà, on joue le titre, euh, on, euh, il faut le dire. Del Castillo veut pas, ok, il veut pas. Jean Kulovic, on n'a pas un niveau lui permettant de concrétiser ses ambitions, de faire foutre. Ozer, merci, bonsoir, comment va-t-il La réponse des dirigeants, putain mais ça, alors je sais pas, vous, vous arrivez à améliorer le recrutement de les jeunes ou pas là Parce que moi j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est bon que le club est suffisamment doté, Ben non on va prendre beaucoup de retard. Putain. Ça, ils acceptent jamais, moi. Je, je sais pas. Et dans le 0-aéro, ils acceptent pas non plus, quoi. Je me demande si c'est pas buggé. Honnêtement, hein, je me demande si c'est pas buggé. un ça n'augmente jamais, quoi. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a réussi euh, dans le chat ou pas ah, ouais, À demander, là. S'il y en a qui l'ont pas fait, là, s'ils si peuvent le faire. Demande aux dirigeants réseau, euh, améliorer le recrutement des jeunes. C'est tout le temps refusé. Non, faut beaucoup d'argent. Et pourquoi faudrait beaucoup d'argent en fait Pourquoi je pourrais être là déjà à fond et là je pourrais pas Des catch au max. C'est toujours non. Le Problème c'est que nous avec ça on pourra jamais rien faire. Enjoku hein. bute à la première à la 95e, c'est vrai. Tout le temps refusé. Pourtant je suis bien financièrement. Ouais, ça me paraît quand même très suspect cette histoire quoi. J'ai 300 millions de soldes et ils veut veulent rien savoir. Parce que ça coûte rien, ça. Ça, hein. enfin, ça coûte rien. Comparé à l'encadrement des jeunes, le recrutement des jeunes, ça coûte un peu d'oseille. Un, un mais c'est pas non plus. Voilà. On ne parle pas de milliards, quoi. Euh, match mercredi, samedi. Ok. Physique, repos. What? On a joué. Attends, mais c'est quand même un truc de fou là, par contre. On a joué le dimanche, ils nous font jouer le mercredi. Oh là là. Ah t'es grand malade hein. En direct de YouTube j'ai été à oh, Christian, bah écoute, bon retard à attraper. C'est toujours bien quand on a du retard sur une série moi je trouve. J'imagine qu'il y en a peut-être qu'à attendre. Moi je sais que perso, il y a des séries que je ne regarde pas direct quand l'épisode sort parce que j'aime bien avoir deux épisodes pour pouvoir les enchaîner. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui font ça aussi avec le zéro aéro hein. Alors, si on peut parcouter un joueur payant, est-ce qu'on peut au moins prendre un joueur gratuit quoi ça vient d'être accepté pour moi. Béni Traoré. Ouais. Moi, j'ai trois semaines de retard. Bah ouais, ouais, non, mais là, Rodolphe, c'est. Trois semaines de retard, c'est plus. Attention, par contre, là. Hein. C'est plus acceptable. Hein. Je mange en même temps que le Zéro aero, toujours vers 19h. Bon, bah voilà, Darkado. Mange en même temps. Quoi. Les dirigeants viennent gentiment de me dire d'aller se faire voir. Ok, ok, ok. Ah, ouais, je sais pas. Je suis à l'épisode 2. Ah ouais, Rapholi, euh, ouais. Kull04, merci pour le follow, bienvenue. Putain, qu'est-ce qu'on va foutre, nous, avec ces joueurs-là Christophe Balmer et tout, là. C'est de voir des joueurs. Christian Pulisic, peut-être intéressé juste par un transfert, quoi. Putain. C'est pas béni Traoré, c'est Ahmed Silla. <laughs> c'est vrai qu'il y avait une ressemblance. Alors, attends. Je fais ça à Ross -Couti. Mais là, c'est la fin du Mercato, les gars j'ai demandé, je me suis fait virer. <laughs> Toujours plus. Ouais, oh, j'ai demandé, ils m'ont viré. Euh, comment on fait là hein Qu On qu'on fait des prêts Je sais pas, les gars, je sais pas. On a 218 000, on n'a pas d'oseille. On euh, n'a pas d'oseille. Off de prêt, Salomon. 18 000 euros par mois. Ouais, c'est trop cher ça. Oh, C'est trop cher tout ça, il faut, faut purger. Hein. Reste du monde. Kaka Junior. Anaki. Kaka Junior, il veut pas venir. qui euh, voudra pas venir. Euh... Pereira. Pereira, ce serait très très bien, les gars. Disponible en prêt. Pereira, ce serait très très bien en prêt. Bah écoutez, ça peut se faire. Combien 15 000 à 32 000 euros par mois, mais non, ça peut pas se faire. Ah non, ça peut pas se faire. Non, non, ça peut pas se faire. J'ai cru, mais non. Par contre, Fran Alvarez, ça peut se faire, mais c'est une pompe. Putain. Caillot César, Vitoria 9 millions d'euros. Oh enjoué évasif imperturbable. En ah ouais, pas mal le gars. C'est gentil, Porso. Merci beaucoup pour ton message. Ça fait plaisir. Ah Combien Thomas Bech, 2,2 ,2 millions Ah ouais. Pourrait bien progresser, bon en première chip. Waouh. Physiquement, c'est quelqu'un hein, quand même. Hein. Jordan, non. Juan Lopez, non. Darandé, Wells Muller, non plus. Carvalho il est pas mal. 18 en cours Je sais pas comment on va Je sais pas comment on s'en sortir les gars Je... Je sais pas Je sais pas quel joueur on peut recruter euh... C'est pas un hésitant Pas un transfert euh... 4 millions c'est cher Et au final c'est pas si exceptionnel que ça Là on a un buteur mais c'est pas à fond Il y a Malam Gomez Je hein. pense qu'on fait quoi avec lui On essaie de le prendre Je pourrais proposer... Euh... On a combien en finance On a 200 000. C'est pas beaucoup. Hein. On pourrait proposer... Euh... 100 000. 100 000, et euh... 100 000 et... 100 000 et 1 million... 000... 1 million 6 000, quoi. Ah mais Gomez en prêt c'est trop cher les gars, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils disent là Ah ouais, on n'est pas tout à fait sur, euh, on n'est pas tout à fait sur la même somme moi j'ai l'impression là. Ou sinon il vaut plus la même euh, la même somme mais 2,5 millions 5, 575 000. Est-ce que 3 millions d'euros c'est pas trop cher quoi Ils veulent du cash now, quoi. Mais on l'a pas, ce cash. Écoute, tu fais une offre, on verra bien. Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, avec eux. Ouais. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas d'argent. On n'a on a rien, que dalle. À part si je vends un joueur, mais. Il a pas de joueur qui. Y a aucun joueur qui a observé, quoi. Ça, c'est aussi un problème. A pas un joueur qui a observé. T'es toujours trop cher avec moi. Mais excuse-moi d'être d'être de faire attention à mes sous mec financièrement on tombe depuis euh... ouais, depuis ce moment là on a fait qu'une chute euh... terrible et si on signe Garbit mais si on signe Isma euh... c'est très bien de toute façon il doit signer avec nous hein on verra off négocier pour Gomez en fait, on n'a pas l'argent. Moi, je donnerais bien un peu plus. Mais on n'a pas d'argent. 130. Écoute, on met ça quoi. C'est quoi ton genre avec le plus grand budget transfert C'est notre gardien de but. McKenna, il vaut entre 17 et 23 millions d'euros. McKenna, c'est le Krakito le écossais 21 sélections à 21 ans. Et, et on m'a déjà dit, les gars. On m'a déjà dit. Vends-le. Eh ben écoutez, je ne le vendrai pas Voilà, je veux pas vendre mes écossais qui sont bons Donc euh, voilà, les écossais qui sont bons Je les vendrai pas Voilà, je, je ne les vendrai pas C'est dit, c'est dit, voilà Oh, rejet Rejet, si notre appel est rejeté Comment ça Vous pouvez faire appel Je fais appel, bien sûr que je fais appel Putain Ne me dis pas qu'ils vont pas lui filer un permis de travail Quand même, et lui il peut pas partir Faire une offre de prêt. Tu veux combien là 12 000, 12 000, 56k. Aucune sélection. Franchement, 12 000 euros par mois. J'ai pas envie de payer 12 000 euros par mois pour un joueur que j'aurais pas. Réponse jeudi 31. Nickel. Écoutez, les gars. Fin des mises à laisser. Commence à faire froid. Non mais tout va bien. Ça va. C'est 6 à 8 jours. J'ai vu 6 à 8 semaines. J'étais pas bien effectivement. Euh, Grégou et l'autre, il en est où là L'autre, il est parti Mais il a refusé notre offre de, de transfert ou il est reparti Mais Caman, tu fais quoi, mec En vrai, Caman, euh... c'est quand même pas exceptionnel. Hein. On va. Attendez. On va rechercher des joueurs qui sont sans contrat, sans club, milieu défensif. Où on s'en fout à la limite. Mais qui sont. En général, personnalité. Professionnel. Andrew Todd. 22 ans professionnel Avec 20 ans d'éther professionnel réservé, c'est pas mal, hein Combien tu veux Remplaçant en cas de crise. 1600 balles. Écoute, ça se prend. Ça se prend sur 5 ans à 2500 euros pour encadrer ça. La photo de classe de quatrième. Mais fermez là Et on le prend. Il est très très bon là, lui. Les gars, professionnel réservé. 20 en déterre. 16 en inspire. On va le faire jouer là en mi-offensif. Écoute-moi. Il va, il va devenir un taulier de l'équipe, Andrew. Question importante: Sneakers ou Bounty? Oh, franchement, Sneakers ou Bounty, je suis pas fan. Hein. Mais euh, si je devais choisir. Euh... Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais je pense que je prendrais. Euh... Ça dépend vraiment du moment. Je pense qu'en hiver, je prends un Sneakers et l'été, je prends un Bounty. Ouais. Tu recrutes un comptable. Andrew Todd, les gars, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Ouais, je pense que je pense ça. Sneakers, il y a zéro débat. Oh, non, non. Euh, Citoyen modèle, on a du monde ou pas Non. Mais c'est quoi cette truc-là Il y a un truc-là, non Attends, mais je savais pas qu'il y avait ça. Putain, mais c'est fou ça. Déterminé. Un joueur, deux joueurs. Rudy Molotnikov, ouais. Gilberto Petrio. Ok. Après déterminé, on s'en fout un peu. Hein. Euh, citoyen modèle, on a dit qu'il n'y avait personne. Hein. Non. Modèle de pro, il en a un là, ou pas Non. Dur. Il est formé où, Todd Je sais pas du tout. Il hein. est charismatique, modèle de pro, professionnel déterminé ou assez professionnel ah, assez pro il y en a hein. Jordan Williams on ne prend pas les gars on ne prend pas on, prend pas. Enfin, tous les... on a dit qu'on ne prenait pas d'anglais hein. il est pas mal lui assez professionnel réservé combien il coûte combien tu combien tu veux toi 25 000 bonsoir Etasia c'est cher hein. on va dire 25 000 ça va quand même Arthur tu pourrais les mettre on, voit, on va voir, on va voir. Joueur de rotation. Bam, bam. Et bam. 34 000, c'est pas 25 000, 34 000. Je te propose la moitié. Je te propose la moitié. Non. C'est non. Euh, Lorenzo Brun. Ouais, a, oulala. 22 ans, énorme potentiel. Vincent Burlet. Par contre, euh, lui il a pas besoin de mettre de casque de moto. Lui direct il peut partir. Euh, les flics ils vont même pas l'arrêter. Hein. Fait pas la différence. Hein. Ça va très bien, Itasia. Ça va très très bien. Ouais. Putain mec, c'est fou. Très bon joueur. Il vient du LOSC. Combien tu veux Après, il euh, y a du potentiel. Il euh, y a quelqu'un là. Hein. Combien il veut Joueur secondaire. Ah, pas mal en vrai. 11 000 balles. 11 000 balles. Euh... Arrière latéral. Belge. Ah, Berlin ne serait sans doute pas considéré comme ayant le niveau suffisant pour obtenir un permis de travail, même en faisant appel. Ah ouais, c'est une pompe. Les gars, c'est une pompe. Il passe pas le service de l'immigration, lui. Hein. Malheureusement, il est refoulé. Non, il a même pas le niveau pour avoir un permis de travail. C'est pas bon, quoi. Et Hervé, 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 Hervé. Oh là là, Hervé, ça serait exceptionnel. Mais c'est un Anglais. Anglais, peut-être double nationalité Non, c'est non. Et John Brown Johnny Brown Naz. Ok. Sans club, machin, truc, bisure. Contrat terminé. Est-ce qu'on a des joueurs. à cet terminé. Allez, en citoyen modèle, là. Non. Est-ce qu'on a des joueurs en professionnel c'est vrai que j'ai pas mis résistant, mais euh, on aurait pu mettre. Recalé par la douane, recalé par les services d'immigration, les gars, c'est non. Facilement découragé, il y a de ces personnalités quand même. Hein. Faible, facilement découragé, faible confiance en soi, effronté, déloyal, décontracté, euh, dévoué, j'avais jamais vu dévoué. Leader, leader né, leader charismatique. Euh. Réaliste résistant. Très ambitieux, versatile, sans ambition. Bon, ça dégage tout ça. Et sans club, là, on a quoi Ricalmé. C'est Ricalmé, Ricalmé? Putain, c'est le Ricalmé de... de Vasco de Gama, les gars. C'est fort, ça. Ah ouais, mais on a plus d'oseille. Putain, c'était fort, ça. Ça, c'était très très fort, ça. Ça, c'était froid. Hein. Perfectionniste, c'est naze. Ah non, perfectionniste, c'est bien. Perfectionniste. Perfectionniste, c'est bien. Andy Irving. Ah Eh Écossais, le type milieu défensif. Pourquoi pas Pourquoi pas Passer un test. Bientôt on verra personnalité ordure. <laughs> non mais il pourrait y avoir une autre personnalité, c'est genre euh... comment on pourrait dire une personnalité qui pense qu'au fric. Euh... Donc parce qu'on a les mercenaires mais on pourrait avoir quoi Vénal. Ouais, personnalité vénale, ça serait bien en vrai. Avar. Non mais vénal, ça serait pas mal en vrai. Ray, personnalité Arthur Ray. Kumi 21, merci beaucoup. 21e mois de sub, dis donc. 21e mois de sauce merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Merci beaucoup. J'ai trouvé un effronté imperturbable, j'avais jamais vu avant. Non mais en vrai, euh, Cupid. En vrai, ça serait pas mal, un avare. Le gars, il va, euh, il va dans les pays où on le paye le plus. Quoi. Andy Irving. Personnalité normale et équilibrée, joueur régulier. Avec l'œil de Sauron. Il m'a l'air pas mal lui. Hein. Combien tu. Quanto, quanto, quanto. Entre 8000 et 9000. Mais je le signe direct, les gars. C'est une signature. Hein. Joueur important. Alors peut-être pas, mais titulaire Sept 7000 balles. J'ai même pas assez de sous pour donner 7000 balles à un gars là. Non, mais filez-lui. Moi je vais lui donner. Je vais le surpayer là. Et comme ça on est sûr de l'avoir. Hein. 3 ans, 4 ans, ouais, bam, 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 c'est bon, hop, joueur important, euh, écoute, euh, on n'a personne en milieu défensif, si on peut prendre un gars qui qui envoie du bois, on prend, quoi, gueule à jouer dans le ça va aussi le délit de faciès, là, qu'est-ce qu'il veut, Kovacevic, 13 000 balles, qu'est-ce qu'il y a, pas particulièrement heureux, qu'est-ce qu'il y a, je suis pas, sur ça, t'as réglé, je suis, attendez, je vais faire en sorte que votre importance soit remise en. Mais en même temps, on va le mettre titulaire. Ils sont tous les deux, lui, des joueurs importants. Après McGill et Turner. Turner, il devait déjà partir l'année prochaine. L'année dernière, il nous, a, il nous a fait chier. Il faut, faut, faut dire les termes à un moment donné. Et type, il est là. Oui, moi, je comprends pas pourquoi je joue pas. Mais parce que t'es es une merde, en fait. T'es une, une pompe. Mec, tu ne joues pas parce que tu es nul. Voilà, je, je n'ai rien d'autre à dire. Et par contre Garbit euh, quand il veut, hein. quand il veut. Je pense qu'on est tous avares. On est tous avares, avare, avare. Définition d'avare qui a de l'argent et refuse de le dépenser. Alors moi je suis pas avare moi non, non non moi je suis pas avare moi j'ai pas d'argent donc euh, par contre euh, ouais pas envie de le dépenser ouais mais euh, mais non plutôt ras, moi. tout court. Ouais radin, radas. Bien radasse quoi. Mais avoir, c'est pas ça. Navarre fait attention à ses dépenses. Il est pas en quête constante pour en gagner plus. Ouais. Ouais. Taliska, très très bien. Taliska par exemple. Taliska, il pourrait être effectivement dans la catégorie. Euh, dans, la, dans la catégorie vraiment. Euh, de, de vouloir prendre de la thune. Mon staff médical me dit que j'aurai en moyenne 99 blessures sur la saison. C'est bugué ou je suis la masse C'est beaucoup, mais après, euh, ça sera probablement pas le cas. T'en auras pas autant quoi. Allez, c'est parti les gars. Match face euh, à Ross County. Faut commencer à prendre des points, mine de rien, parce qu'on va probablement faire tourner quand il y aura les, les matchs euh, de conférence. Donc euh. allez, Bruce. Oh jolain Jolin, Jolin, Bruce. Dommage. Effronter, c'est rare, c'est 20 en pression. Effronter, c'est 20 en pression. Ah ouais, 20 en pression, c'est rare, effectivement. Ouais Tamatamare penalty Oh Déjà on est à Sterling Albion euh, Gunners faut se mettre à la page Alors je sais bien que les supporters d'Arsenal Sont pas tous fut-fut Mais quand même Allez Lewis Vous savez que c'est l'avant-dernier live de, de 2023 quand même hein On y est les gars hein On y est hein Morouz Oh oui Morouz oh, Mais le travail de Morouz Oh là 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 la barre elle était magnifique Dommage. Carton rouge pour cette agression Ça va De toute manière tu vas encore payer l'arbitre C'est pas moi qui paye A hein. chaque fois qu'il y a un sub gift ou des bits Comme par hasard on a un penalty Après on va dire que FM n'est pas relié à quelque chose Mais moi je pense que si Tu stream le 31 Non je stream demain dans la journée Mais c'est le dernier stream du soir Là je stream demain mais pas pour jouer à FM euh, Pour faire les entraînements et les têtes des new gen Préparer les derniers trucs. passer ma journée de taf avec vous demain, je pense que ça va se passer comme ça. Voilà. Modèle de pro, pro-citoyen, modèle déterminé assez pro-perfectionniste. sont des très bonnes personnalités, effectivement. Après, moi, il y en a que j'aime bien. Euh, Enjoué imperturbable. Euh, euh, enthousiaste, euh, pareil, j'aime bien. Personnalité que j'aime. Du respect pour Arsenal et les Invincibles. Mec, on parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh Sandoval. Hop là, le poteau Ça va. Là, on est bien pour l'instant. Il ne manquerait qu'un but. Pas comme les clubs de peinte de Star. Oh là 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 On joue en rouge, tu peux respecter aussi. En jouer, le souci, c'est qu'on ne connaît pas son professionnalisme. Ouais, 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 ouais. Et s'il est évasif, ça te va ou pas? Fiorini. Avec Kovacevic. Nous sommes deuxième À jamais les deuxièmes, ouais. Effectivement. Kovacevic, la tête de Jola! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! C'est oui! En jeu évasif, c'est parfait. Ouais, en jeu évasif, c'est parfait. Et oui. Évasif dans tous les cas, c'est parfait. Ça sera très bien. Bon. Soyons sereins, on mène un zéro. C'est très bien. Si ça peut rester comme ça, on signe. Sans l'incompétence de l'arbitre en PL, on serait euh, leader incontesté. Hein, point barre. Toujours plus aussi, là. Toujours plus, Seb Gunners. Oh là là, c'est dégagé un peu à la catastrophe. Mais ça va, c'est fait. Oh là là, Machado. Oh, Machado. Oh, Machado. Oh là là Oh, le Machado Oh, c'était beau, c'est dommage. Ah, il y aurait une passe décisive, je lui mettais une tête directement. Mais non. Hâte d'entendre mon petit-fils qui dira que Mbappé jouait contre des peintres. Non mais les gars, l'époque des Invincibles, c'est une époque... Euh une époque révolue, c'était une équipe les gars qui était... C'était cataclysmique. Euh, enfin, c'était était exceptionnel, euh, l'équipe d'Arsenal à cette époque-là. Ouais, Et puis en tant que français, Arsenal, c'était forcément particulier avec Arsène Wenger, Pires, Wiltord Henry, euh, Galas, Padvieira. Euh... Oh là Oh comment il rate ça Il est à 3 mètres du but Oh la 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 putain alors Njoku entre CDC et Njoku on est servi quand même en termes de, de vendange Ah hein. oh, oui mon Machado il y a peut-être en jeu Putain Njoku ouais il est naze putain. Manu petit c'est vrai Manu petit ouais Mais qui a en jeu Mais, bien sûr qui a en jeu Et, et là on a, on a pas marqué on va on connaît qu ce qui va se passer après Putain Bon. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire On va déjà voilà, On va, on va faire entrer déjà Edeling Harper tu mets Banner hein. Même si Njoku euh, C'est bien mieux que Banner euh, Il a 17 en finition Une petite saison là Pascal Sigan Gaël Clichy Effectivement Est-ce qu'il y a eu d'autres français Qui ont joué là-bas Je suis en train d'essayer De me souvenir Michael Silva, est-il n'a pas fait une pige euh, entre Manchester United aussi... Euh. Oh, non, 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 non. non Coquelin, Nasri, Flamini, Sania. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a eu plein. Hein. Le Grand Giroud. Ouais, mais ça c'était plus tard, euh, Giroud. Gilles Grimandi. Ouais, Grimandi c'est 98. Putain. Mais c'était évident. Que quand tu mets pas les buts à un moment donné tu t'en prends c'est comme ça la règle dans football manager putain a skilachi euh, je sais pas s'il a joué arsenal toto skilachi peut-être après euh, monaco hein après 2002 pas impossible euh, iban boat non on va c'est comme ça kosielni putain kosielni moi je j'ai jamais trop aimé le, le Koscielny, quoi. Je vous le dis honnêtement, les gars, devant vous, euh, c'était un homme extraordinaire, mais Il veut du football. Ouais. Moi, la plus grosse. Je m'épose. La plus grosse interrogation footballistique de ma vie, c'est comment le Real Madrid a pu recruter Julien Faubert. J'aimerais tellement parler à Julien Faubert pour lui demander comment ça s'est passé. Imagine tu joues dans ton club, t'es pas mal et tout, et t'as le Real Madrid qui t'appelle. Tu, tu mais mec tu dois dire arrête, fous de ma te fous pas de ma gueule. Non mec t'as un contrat du Real là là tu tu, tu, tu peux aller au Real. Là. Arrête, tu te fous arrête, arrête. mec je te jure. t'imagines c'est pas possible. Pour remplir la feuille de non 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 les gars non. Panic buy non mais je sais pas. C'est quand même le réel, tu vois. Ils essaient quand même de ne pas recruter n'importe quoi. Alors, du respect encore pour Julien, mais. Euh, putain, il faudrait tellement le. Enfin, ça serait fou. Je ne sais pas s'il a déjà raconté comment ça s'est passé ou quoi. Ouais. Il va avoir un très bon agent. J'ai un pote qu'il a eu dans son émission pour Génera Foot. Mais euh, je ne sais pas s'il a l'explication euh, du transfert de Julien Faubert. Je pose des questions. Revient sur son incroyable transfert au Real. Ah Non. Non, attends, attends. Non, je suis en train de lire, je crois que je il nous faut il nous faut l'article, il nous faut l'article. Dans un long entretien accordé à The Athletic, Julien Faubert, ancien joueur des Girondins de Bordeaux de 2004-2016 et 2013-2015, est revenu en détail sur son transfert surprise au Real survenu lors du dernier jour du mercato d'hiver édition 2009. Une transaction que personne n'avait vu venir, pas, la même, pas même le principal intéressé à leur, à leur joueur de West Ham. Nous étions dans le bus de l'équipe en route vers Upton Park pour jouer contre Fulham. J'ai reçu un appel d'un français qui travaille pour le Real Madrid et il m'a dit « Salut, je travaille pour le Real Madrid et nous devons vous parler. » Non mais c'est lunaire ça déjà. Je lui ai dit que j'avais un match important à préparer et que je n'avais pas le temps pour ce genre de conneries. Mais normal Mec t'as un français. Ouais ouais, on, on, veut, on est du Real là, on veut te recruter. Non mais normal que tu dis que c'est quoi ces conneries, ok? J'ai éteint mon tel, nous avons joué le match et après on rallume mon tel, j'ai vu 30 SMS et 50 messages vocaux, c'est à ce moment que j'ai su que c'était sérieux. J'ai donc appelé mon agent, il m'a dit que nous devons parler avec le Real car ils sont dans un hôtel. C'était le dernier jour du mercato et nous sommes allés avant de commencer de négocier. Quoi? J'ai beaucoup de sentiments, mais j'étais heureux c'était le Real Madrid, vous savez. Quand j'ai réalisé que ce n'était pas faux, je priais pour que les négociations se déroulent bien. Il voulait en fait Antonio Valencia, mais il a signé pour Manchester United. J'étais donc le deuxième choix. Putain, putain, c'est fou quoi. Non ouais, c'est fou cette histoire. Non, c'est fou. Même lui, il n'y a pas cru. Non, mais ouais, mais normal, nous non plus. Hein. Non, mais c'est c'est fou. Le Allez, pourquoi pas un but à la 88ème A la 88ème Putain, il la met pas tout le Terrible. On va essayer, hein On voit le lien de l'article. Hop. Fiorini Ma mia, c'est pas fini, c'est fini, c'est fini, il va rester 2 minutes, 3 minutes à moins que... Mais qu'il a oublié le ballon, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Ah le nul de l'enfer, ah le nul de l'enfer, 19 tirs 5 cadrés, 8 tirs 5 cadrés. Ah vraiment ça, c'est décevant, putain. Aïe, 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 aïe. T'aimes beaucoup la compo sapin de Noël, ouais j'aime bien cette période de Noël, c'est très très cool ouais on fait nul euh... ah, c'est dommage c'est dommage de perdre deux points sur ce match là mais en même temps on peut pas vraiment on peut pas on peut pas voilà on peut pas faire mieux Qu qu'est-ce tu veux que je te dise par contre là, la fatigue il nous faut vraiment deux équipes hein. à Zagaza, on va le virer lui hein. ouais merci 2103 Lorik pour le follow bienvenue parmi nous et merci Dave du 12 aussi pour le follow un Aveyronais dis donc comme quoi un recruteur qui boit, c'est dangereux pour un club. Bah c'est vrai que euh, bah déjà Valencia. Euh, Valencia Faubert, c'est vrai que les, les, les choix étaient particuliers, quoi. C'est vrai. La période d'essai se termine. Allez, je vous en conjure là, il nous faut des joueurs qui arrivent. Off de Nashville pour Irving. Oh non, laissez oh, non, laissez-le nous, s'il vous plaît. Matroméo, merci pour le follow. Bienvenue aussi. C'est comme si là, le aurait Real recrutait Léo du Bois. C'est un peu ça. Garbi, c'est accepté. Qu'est-ce qu'on fait On le prend ou on le prend pas 30% quand même de pourcentage de revente. 3000 euros de prime de match. Ah, pas vraiment le choix, de toute façon. Hein. Pas comme si on pouvait... Euh, 3 ans de contrat. C'est pas comme si on pouvait se dire... Bon. Oh putain, mais Jelin va bénéficier d'une augmentation. Il touche combien, là ah il va passer à vingt-six mille euros par mois, lui. Attendez. <laughs> Alors attendez. Voilà. On lui enlève sa clause. 75 000, 17 000. Putain, pas de problème, pas de problème. On va trouver un arrangement. Tout va bien. Et là, je vais attendre. Ok, tout va bien. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On reporte. On gère. Non, il faut pas lui filer. Non, mais attends, on va pas filer 26 000. Non, à... non, 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 période terminée. Non, mais c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Ça va bien se passer. Non, mais on peut pas, et 26 000 euros par mois pour Jolin, c'est. C'est pour ça que on a le budget transfert qui explosait. Le rat lunaire, mais vous auriez pas fait la même chose. Non, mais attendez, vous auriez fait strictement la même chose, j'espère. On va pas donner 26 000 euros à Jolin. Tu pourras pas l'enregistrer en Europe. Ah putain, on pourra pas l'enregistrer en Europe, il a raison. Après, attendez. Oh monsieur l'excro Le T3 Le T3 pour monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'excro. T3, 11 e mois. Tu régales, merci, monsieur l'excro. Comment il va Bonsoir à toi. Alors attendez, imaginons là. On est d'accord qu'il va être payé 26 000 euros. Parce qu'il a accepté notre... Euh les gars, il a accepté notre, euh, notre contrat. Donc là, même si, imaginons. Imaginons. Les gars, imaginons. Je fais venir Ismaël. Il va passer à 25 000. Mais quand il va accepter le contrat, il repassera à 16 000, non Écoutez, on va tester. On va tester, les gars. On teste, on teste, on teste. Tu t'as ce transfert bénéficiera d'une augmentation pour égaler le plus gros salaire. Parce que l'autre, il est déjà en. Il est déjà en changement de contrat là. Toujours un plaisir de passer. Ben, merci beaucoup. Bah écoute, on est en, en deuxième année de... de première division. On est qualifié en Europa Conférence. C'est le début de l'aventure encore, monsieur l'excro. Hein. Si jamais tu veux être là. Sauvegarde avant. Non, 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 on va y aller comme ça. Hein. Écoute, on va, on va voir. Hein. Garbi signe, ok. Garbi qui signe, euh, mi-offensif, ouais, mi-offensif. Okay. What the fuck la valeur? Ah ouais, 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 c'est pas mal. Ah ça, ça va, ça va, rester une saison, ça va repartir. Ah oui, ça, ça vaut de l'or. Fais voir. Ça a l'air d'être bon. On va voir s'il accepte ou pas. J'espère qu'il accepte le, la proposition, quoi. Euh, pam, 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 date importante, demande de prêt pour Kinir. Remplaçant, gardien, il paierait son salaire ou pas Pour être déstabilisé, bah écoute. Pour être remplaçant, hein. À Luton Town. J'accepte. Enjoku, ok. Par contre, on a un joueur qui a observé, c'est euh, Kovacevic. Ça dépend combien on nous propose. Salut Mauricien, ça va bien et toi euh, écoute on le prête pourquoi on le prête parce qu'il nous casse les pieds il est jamais content lui Alors, hop, ça dégage voilà on l'envoie en équipe réserve on va faire monter un petit jeune Macleod du clan Macleod ou Ryan Grahams ou sinon ah bah non Brian Kinnear j'allais dire non écoutez on va prendre John Macleod du clan Macleod voilà et il sera dispo pour les 18 très bien Salut Daniel, comment il va Juste de passage, je ne réponds sur la question du comment ça va. Mieux depuis la dernière fois que je suis passé, que comme si j'étais déjà mort à moi. C'est bien, Daniel, je vois tes tweets, je vois que, que ça combat fort. C'est ça qu'on veut, un combattant, Daniel. Putain, Irving. On le signe ou pas, les gars On le connaît pas. Écoutez, on prend. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Hein. Et Todd aussi, on prend, les gars, on prend tout. Hein. Je l'ai rémunéré 26 000. Il a toujours l'offre de contrat. Hein toujours l'offre de contrat. Joueur dans la fleur de l'âge. Faut pas que McKenna se blesse. Ça va, ça va aller, ça va aller. Ça va. Euh, segundo Volente. Ouais, Segundo Volente de soutien. Il est comment Oh là là là, mais c'est un, un véritable crack ça. Oh, mais c'est très très. Ça pourrait être titulaire ça. En vrai, c'est exceptionnellement fort. Très content d'avoir euh, trouvé monsieur Irvine Et Todd pourrait ne pas avoir le niveau, le potentiel nécessaire. En vrai, euh, moi, Andrew, je sais pas. Je, je sens qu'il va se passer quelque chose avec Andrew, les gars. Il je... y, y a des têtes comme ça. Tu te dis, ça va bien se passer. Lui, je crois que ça va bien se passer, les gars. En et demi là. Andrew Todd, professionnel réservé. Écoutez, je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Moi, je pense qu'il va faire des, des ravages. Dribble, contrôle de balle, passe, technique, sang-froid, inspiration, 20 en détermination, professionnel réservé, 13, 11, 10, 10, 16. Aucun physique. Mais t'inquiète pas que Todd, ça va, quoi. C'est un collégien que t'as. Il a 22 ans! Oh ouais. ouais. Vendre Gelin, c'est pas une option si tu prends un autre BMDC en fin de main de kato. Bah, en vrai, Gelin, moi j'aime beaucoup, hein. Mais à 31 ans, ouais, c'est un joueur qu'il va falloir commencer à lourder, je pense. Hein. Peut-être au prochain Mercato, effectivement. Bon, on va regarder, mais euh, on est bien content. Irving, hein. c'est très très bon ce qu'on a pris. Surtout que ça peut jouer milieu centre et milieu là. Ouais, ouais, meneur de jeu en retrait. Il pourra jouer en Segundo Volente d'attaque ou en Carrilelo. Hein. Ouais, je sais c'est pas Carrilelo. Je sais que c'est Carrilero, mais Carrilelo, Carrilero, c'est pareil. On va l'entraîner en seconde de volonté d'attaque. Je ne laisserai pas attaquer Todd sur son physique, euh, Monsieur Galloway. On y va, comme ça. Sa pépé Facebook de 2000. Mais <laughs> ben, je le prends dans l'équipe, c'est tout. Bonsoir Moulegou, comment il va euh, On a un match là En plus, on a un match face à saint mirin moi je veux le faire le match. Roger de l'appel. On fait appel ou on ne fait pas appel je fais appel pour Vincent, pour euh, pour Kaman, On fait pas appel. On est comment financièrement Roger. Ah ouais, 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 ouais. Ouais mais il a pas, de, il a pas les gars. Il a pas de, il a pas. Je le prendrais bien, mais il a pas de de permis de travail. Je peux pas, ça sert à rien quoi. Garbi, si tu à la place de qui À la place de Machado Non. À la place de morose Oh Moreau's, il est intombable. Non, Garby va être remplaçant là. Pour moi Garby c'est remplaçant hein. McGill, Kyle Turner, on va le jarter Kyle Turner. MacLeod du grand MacLeod, on est bon. À la place de Machado vous le mettrez Machado vous le mettrez remplaçant Ah vous êtes dur, vous Ça se vaut les gars hein De toute façon ils vont se partager le temps de jeu hein. Après Machado il est joueur vedette Et Monsieur Garbi il est quoi Joueur important Et Moruz, Joueur important On va avoir des problèmes hein <laughs> On va avoir des soucis c'est sûr Todd va jouer gourde, porteur de gourde. Il va Non mais il y a trop de matchs, on... on sera obligé de faire euh, tourner. Et Jelin, il fait encore le taf, ouais, il fait encore le taf. faudrait peut-être le mettre, euh... faudrait peut-être sortir Jelin du 11. peut-être euh... ouais, il faudrait peut-être sortir Jelin du 11 et mettre euh, Irving à la place hein. Et mettre Grégou à la limite en remplaçant. Hein. Parce qu'Isma, il peut pas jouer, euh... il peut jouer meneur de jeu en retrait. Après Fiorini il peut descendre aussi hein. Donc on pourrait jouer avec euh, Garbi ici et euh, Andy Irvine avec euh, ça serait un peu plus offensif quoi. Mais lui en milieu récupérateur il sera pas ouf quoi. Bon on verra. Ouais. Il a quand même mis les buts pour les Caïfs le Gélin. c'est vrai. Il est toujours présent et Machado il s'entraîne très bien donc euh, McKenna qui s'entraîne mal. Bon. C'est vrai que je viens de l'engueuler avec 7-15 de notes. Hein. Je suis quand même rude. On peut-être dû rien lui dire avec 7-15 de notes. J'aurais pas dû le. J'aurais pas dû l'engueuler. Liam Morrison. On est bon. Chuuki au 4 4e... Mais on, a, on, a, on est qualifié, Policemet. On, on s'est qualifié pour, pour la Conférence League. Inscription des joueurs. Ah! Andy Irvine, On peut le mettre. Andrew Todd. Ismaël Garbi, Banner, il n'y a pas besoin. Et MacLeod aussi. Bon, après, je peux les enregistrer. Hein. Au moins 4 joueurs formés au club. Bon, bah ben là, on est bon, là. Let's go On pourra jouer l'Europe. Ce sera quoi Le CSK qui va être le premier match, etc. Ça va être du joli, quoi. Tu ne pas jouer Garbi, va pas être de la valeur. Mmh, ouais, c'est probable. C'est probable. Après, partir au clash avec lui, c'est pas forcément une mauvaise idée non plus, hein. A un potentiel pour devenir un grand milieu offensif. Il a un petit potentiel, ça veut dire. Joueur majeur, c'est un bon joueur. Il a du potentiel. Ah, il est quand même bon. Hein. Il est quand même bon. Mais après, Machado est bon aussi. Donc. Euh... Andrew Todd. Euh... On va voir. Écoute, on va faire le match. Je sais pas. Quand je vois Fiorini ici, c'est un véritable crack. Euh... Bon, Irvine, ça va nous faire beaucoup de bien. C'est un très bon joueur. En défense centrale, qu'on n'a pas grand monde. Macaulay blessé encore 2 à 4 semaines. Ok, il reviendra reviendra. Tac, tac, tac. Let's go. Alors, il faudra faire tourner exactement. Comme dit Babou, il va falloir faire tourner. Hein. Déjà, on va voir ici. On fera le premier match de Todd. On fera le premier match de Garbi. On va faire le premier match aussi de Monsieur Andy Irving. C'est cool. En plus, il est écossais. Donc, c'est bien. Là, on a recruté deux écossais. Un français. J'aime bien l'idée de... Enfin français, il est franco Il, il est quoi euh, d'ailleurs Garbi Il est franco-espagnol-tunisien C'est quoi qu Je ne me rappelle pas de la nationalité de euh, D'Ismaël Garbi Espagnol-franco-tunisien, ouais c'est ça Espagnol-franco-tunisien, il a une sélection ou pas hein Pas de sélection ah, J'espère que ce sera de la concurrence La concurrence, la concurrence Comme disait euh, Unai, c'est important les gars c'est qui est meilleur Qui, 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 qui jouait Qui va jouer Qui est le meilleur hein, bien sûr Très important Allez bah, Il nous faut Par contre il faut qu'on commence à enchaîner des victoires On peut pas avec une équipe comme ça Avec l'investissement qu'on met Se dire Ouais bah, on, va, on va voir On va jouer le milieu de tableau hein. Non Faut que l'année prochaine On soit de nouveau En conférence League. Allez Morrison La contre-attaque C'est bien fait Ça passe pas Ça passe pas Durant le pressing est bon. Là, le problème, c'est qu'on joue avec un milieu un peu plus offensif. Gélin, normalement, c'est notre vélonté d'attaque. Et là, il est milieu récupérateur. Oh, il y a hors-jeu, non Il y a hors-jeu, non Non, il n'y a pas, pas hors-jeu, là. Ok. Eh ben, écoute, nickel. Tiens, 0 là. Cinquième minute à domicile. Nickel, nickel, nickel. Très bon début de match. Putain mais c'est pas possible Et par contre on n'a pas d'autre numéro 9 que, que Banner à la place d'Enjoku Dur Hashtag #ReOut. out Bah va falloir se poser des questions là parce que On est vraiment euh, vraiment pas bien On se fait bouffer hein. Mais là c'est physiquement Qu'on est en train d'encaisser le Allez Moruse Enjoku ça peut Faut, Faut que ça gicle en même temps On attaque à un moment donné hein. Sinon on n'ira jamais hein Regarde-moi ça, Bruce Morrison. Euh... Allez, Jolin. Voilà, avec Fiorini. Passe derrière. C'est la faute de Todd. Todd, il est sur le banc. Oh, le petit ballon par-dessus pour Morouz. Quand je vois ça, j'ai envie de. Oh non, Machado blessé. Il a pris un coup. La rentrée de Garbi. Bah voilà, tu vois. Machado sous pression. Garbi qui rentre. On n'est même pas à la 25ème minute. On va voir ce que ça va donner. <laughs> aïe 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 vois, ils portent pas assez bien les gars. On verra, on verra, on verra. En tout cas, il faut à un moment donné la mettre au fond, quoi. Putain, un tir, un tir cadré, un but 0-34. Allez, Irving. Le, le pied gauche, morose, le pied droit. Enjoku. Putain, mais ils ne claquent pas leur tête. ils envoient des têtes, mon gars, ça part en orbite. Putain, mais c'est pareil, quoi. On peut pas perdre là. Il est hors de question les gars c'est une bouteille d'eau qui part C'est une bouteille d'eau on, on va monter le bloc là Non mais il y a un moment donné où On monte le bloc On va passer en, en offensif Enfin un, un tir encadré un là euh, On n'en peut plus là Stade hein. est plein pour voir les nouvelles recrues Oh non non Irving qui perd un ballon encore une fois Allez Fiorini, Enjoku, la remise Morouze Putain, mais on n'a pas le droit au bonheur Putain, eux, ils ont Louise Guillarmé Mais non. Ah ouais. Tranquille. Hein. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Joue à, décès, joue à des saisons avec Pépites. Qu'est-ce qu'on peut faire, Grégou Pierrot à la place. Les gars, on va faire entrer Andrew Todd. Hein. Ça y est, la rentrée du Tod. Il est inquiet, euh, Andy. Hein. Il est Andy, va, on va sortir. Il, va, il est passé. Andrew Todd. Premier match. Premier match pour Andrew. Écoutez, ça va être notre. Euh, je le sens bien. Andrew. La rentrée du collégien, du comptable, tout ce que vous voulez. Oh là là, Bruce. Bruce, 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 Bruce. Pas mal. Oui, oui, oui. Boum. Un arrêt comme ça, là, sur une frappe comme ça, j'y crois pas vraiment. Qu'est-ce qu'il fait Il panique, j'ai l'impression. Oh là là Oh là 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 là, c'est une touche. 12 tiers, 5 cadrés, 1 tiers, 1 cadré, toujours 1-0, le fameux. Hein. El Famoso, il est rentré avec son cartable. Allez, Todd Il est là Allez, Todd voilà, mais mec il le pousse aussi, il a aucun respect là. Putain. Tau vide. Non, non, il a rien. Alors là s'il m'explique qu'il y a pénalty ici, mec je mange mon chapeau et on en termine là. Hein. Ah, pas péno. Il a pas péno. Par contre, on a la 75ème et on n'arrive à rien là. Mais il reste 10 minutes, s'il vous plaît. Non, pas un FMED pour terminer comme ça la session. Non, 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 non. Putain, allez, s'il vous plaît. Un tir cadré, un but. C'est horrible ce match. Oui. Allez, 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 allez. Allez Bruce Ah oh ouais, il reste... Euh, si on marque là maintenant, il reste 2-3 minutes pour mettre la le feu, hein. Oh En Fiorini. Oh le ballon pour Edeling. Edeling le ballon pour Garbi Vamos Il est hors jeu. C'est dur. La clim est totale. La clim est totale. Un véritable coup de clim C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Allez, Todd qui récupère. Qui prêt. Il reste une minute. Allez, Jolin. On s'applique, on s'applique, on s'applique. On met le ballon devant. Petit ballon par-dessus. Todd Todd Parfait, les deux nouveaux, les deux nouveaux, c'est pas fini, it's not finished, N'a d'attaque, Tiorani, 9,5 demi d'attaque, Volente, Segundo, Volente d'attaque, latéral offensif d'attaque, On peut le faire. We can do it. Hop là. Engagez-vous plus, restez plus haut. Allez. Il va, rester, il va rester quelques secondes. Il va rester quelques secondes. Oh le ballon était incroyablement donné. Hein. Avec Todd. Magnifique Dis-moi qu'il y a une dernière occasion. Oh non, bon un partout, en vrai c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Et Todd 7,3 hein, quand même, hein. belle. Je vous avais dit, je vous l'avais pas dit. Voilà, il est bon. Peut-être trouver l'éventuel probable futur Louis Suarez, Uruguayen, Venant du national, même pas ce même âge. Oh belle ça. Ah c'est toujours cool. Garbi, ça va être game changer. C'est surtout Todd qui va être game changer, ouais.